Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue. Très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, les amis. <coughs> On est lundi, c'est lundi. Euh, c'est lundi, le lundi c'est ravioli, mais euh... non, je sais pas, j'ai pas de jeu de mots. Merci Exode pour ton risum. merci beaucoup. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Euh... Je vais bien, je défends le fi, d'accord. Comment se portent tes chroniqueurs Je ne sais pas, je ai pas demandé. J'espère que ça va mieux. <laughs> Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Très content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes reposés, tout ça, tout ça. Le lundi, c'est dur. Ouais, ouais, le lundi, c'est chiant. Mmh, je mange littéralement des raviolis ce soir. Bah, ouais, bah oui, c'est lundi. Mais oui. Est-ce que tu as vu les offres investigations Non, 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 j'ai pas vu. Non, c est, c est, putain, là, là, on est vraiment dans la période euh, difficile pour moi parce que euh, bah, c'est un, un peu le cas depuis, euh, depuis plusieurs mois là, que la présidentielle accélère. C'est qu'il y a une offre euh, pléthorique de contenu, euh, tous plus intéressants les uns que les autres, euh, d'analyse, de, 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 de réaction, etc. Il faut, moi, j'ai besoin de faire le tri entre ce qui, ce qui relève de l'intérêt euh, éditorial pour ma chaîne et ce qui relève de l'écume de la politique, du tweet de machin, de la réaction de trucs, etc. Même si c'est difficile parce que parfois des réactions ou des événements de campagne des, mais parfois même des accidents de campagne peuvent être révélateurs euh, de dynamiques plus profondes etc donc c'est un peu compliqué pour moi parce que du coup je, je, ne, je, je ne dois lire et suivre que euh, 15 à 25% de ce que j'aimerais lire et suivre au, au global overall donc du coup non il y a plein de contenus audiovisuels que j'ai pas vu que j'ai pas regardé euh, donc voilà quoi, l'infobésité. Ouais ouais, l'infobésité. Mais en particulier dans mon boulot et en particulier dans cette période, ça faut l'accepter. C'est comme ça. On est en présidentiel, le, le pays Boris d'une actualité politique importante autour d'une élection qui, je le rappelle, est dans six jours seulement. Donc euh, donc voilà, tu fais ça tout seul. Ouais ouais ouais, à l'exception de Baxit où je suis accompagné de Simon qui est journaliste programmateur pour l'émission. Euh, mais du reste, ce que j'appelle la préparation éditoriale, c'est le fait de me tenir au courant, en fait, de lire des articles, de lire des analyses, etc. Donc, euh, donc voilà quoi. Dors pendant une semaine, sinon tu verras tranquille après. <laughs> ouais, non, je ne peux pas trop me le permettre. D'autant que, que je, 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 je vous rappelle que l'élection présidentielle n'est qu'une étape dans cette année politique. C'est-à-dire que moi, le second tour, c'est n'est pas du tout la fin d'un cycle. Hein. Euh, politiquement, c'est la, la fin d'un cycle, la période de campagne, mais c'est le début d'un autre cycle extrêmement important, c'est le début d'un quinquennat. Et qu'en fait, l'actualité politique, à partir du second tour de l'élection présidentielle et jusqu'à la rentrée de septembre prochain, va être très riche. Nouveau gouvernement, probable remaniement, élections législatives, mise en place des premières réformes, euh, mutations et rééquilibrage et réorganisation à droite comme à gauche comme au centre aussi. donc, donc en fait. Euh, et puis, par ailleurs, j'en parlais, euh, j'en parlais, j'en parlais à tout à l'heure. Tout à l'heure, je suis allé rendre une visite, euh, une visite républicaine <laughs> chez mes amis. Donc, j'ai été invité à boire un café chez les amis de Brut. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus avec la pandémie et tout, on s'est pas vu. Mais du coup, je suis allé chez Brut. Euh, j'ai croisé euh, Laurent Lucas, ça m'a fait plaisir. Ça faisait mille ans qu'on s'était pas vu. Ça fait mille ans qu'on se dit, faudrait qu'on prenne un café à l'occasion et on le fait jamais. J'ai croisé Rémi Buisine, le, le, le copain Rémi que j'adore. Et euh, pareil, on se voit jamais avec Rémi parce qu'il est sous l'eau et moi aussi. Et, euh, et pourquoi je vous dis ça? Parce que euh, ouais, parce que j'en discutais avec Laurent Lucas. Laurent Lucas, c'est le, euh, le patron de Brut. Euh, et je lui disais, euh, bah moi, tu sais, euh, euh, ma chaîne et les contenus auxquels je, je suis habitué à, à, à réagir et à travailler, en fait, n'est euh, pas très très capé pour une élection présidentielle. Moi, je suis, moi, je suis très habitué à vous parler de l'actualité euh, institutionnelle politique, c'est-à-dire l'actualité gouvernementale et parlementaire. En gros, c'est ça. Parce qu'entre deux élections présidentielles, l'actualité, elle est faite de réformes, elle est faite euh, d'actions gouvernementales. Merci Bébou Babe pour ton vis et, euh, et là, la présidentielle, bah, c'est le seul moment où il y a ni action gouvernementale réelle, ni, euh, ni travail euh, parlementaire. Donc, euh, donc, on, donc voilà, Donc une élection présidentielle, c'est un moment politique important. Malheureusement, c'est le seul moment où on vous demande de votre avis. Donc c'est pour ça que c'est important, évidemment. Politiquement, ça dit quelque chose. Mais, euh, mais d'un point de vue de politique et institutionnel, bah c'est pas la période la plus fun. Hein. Donc je me fais un peu chier. <laughs> Et puis en plus, elle est, en plus c'est lourd une, une ambiance de campagne, une ambiance de campagne présidentielle, c'est c'est toujours un petit peu lourd. Donc euh, donc voilà, mais c'est pas grave parce qu'il se passe quand même des choses intéressantes, il y a des organisations politiques, des recompositions. Merci Zomicmax 74 Merci beaucoup. Euh, surtout cette campagne. Peut-être, j'en sais rien, chaque campagne présidentielle est unique parce qu'elle s'inscrit dans un contexte politique, géopolitique, socio-économique différent, mais chaque campagne a sa lourdeur, dans, dans, dans des raisons différentes, avec ses enjeux qui ne sont pas toujours les mêmes. Ça a l'air chiant à force quand tu bosses dedans. Ouais, bah, j'en discutais avec les copains, euh, j'en discutais avec Rémi, euh, Rémi Buzyne tout à l'heure, j'étais avec lui, je fais ça va toi, il me fait, bah, il me fait chier cette campagne, je, hein, je suis d'accord avec toi. <laughs> il était saoulé, il se passe rien, on s'emmerde, chaque candidat fait un truc, chacun dans son coin. Il n'y a pas de débat, etc. Bon. C'est plutôt prise de tête, les présidentielles. C'est vraiment pas vraiment de débat, c'est juste des candidats qui veulent gratter des voix. Oui, et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. faut l'accepter aussi. C'est normal, les candidats sont en, en campagne, comme on dit, donc ils sont là pour séduire. Ça, il faut l'accepter aussi. Merci, euh, Romineau, du 47 Merci. Donc, euh, donc moi, moi, vous savez, je vous ai toujours dit, euh, dit euh, n'en voulez pas aux politiques d'essayer de vous parler. Voilà, Acceptez la réalité politique d'une démocratie parlementaire, certes, démocratie malade à, à bien des égards, mais c'est normal que les acteurs du jeu politique essayent de vous séduire pour récolter votre, vos voix et vos soutiens, ou, ou à l'inverse, euh, des critiques, etc. Ça fait partie du jeu. Mais je comprends aussi que ce soit un peu lourd. Hein. Je comprends aussi que ce soit un peu lourd le côté quand ils font chier les politiques à venir gratter les voix. Euh. Donc, voilà quoi. Le problème, c'est plutôt qu'on n'a pas eu de débat, c'est dommage. Ouais, ouais, je, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on puisse réduire une élection présidentielle à la présence ou pas d'une un, émission de télé de, de type débat entre les candidats directs. Euh, donc voilà quoi. C'est des candidats qui veulent gratter des voix et qui intéressent uniquement les gens qui sont politisés. Ouais, et ça, et ça tu le mesures assez bien. Effectivement, je suis d'accord avec toi. On sait qu'il y a une décorrélation assez puissante entre les gens qui s'intéressent et qui s'investissent dans la politique et ceux qui s'en sentent très éloignés. Et les gens qui s'en sentent très éloignés ne sont pas séduits par la politique à l'occasion des élections. Au contraire, les élections participent même à renforcer chez eux un sentiment de, de détachement et tout. Donc, je, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je suis assez d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, vous le voyez sur le plateau de backseat, quand on discute avec les invités de, de première partie, euh, qui sont généralement, pas tous, mais généralement des personnes assez, assez euh, dépolitisées, pour reprendre ce terme euh, assez, assez, assez fréquemment utilisé. Euh, quand je leur demande Est-ce que tu suis la campagne présidentielle ils me répondent par un soupir. Tu vois bien qu'en fait, la, 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 la notion même de campagne n'arrive pas à les séduire. Voire même euh, Oh là là, non, non, euh, laissez-moi en dehors de ça. Donc, ça, je suis assez d'accord avec toi, ouais. Merci Sponkylosaure, merci. Le débat des 11 candidats était un co médiatique, ça rendait divertissant la politique. Ouais, ouais, ouais. à savoir est-ce que la politique a vocation à rendre divertissant l'actualité, euh, j'en suis pas persuadé. Mais ça c'est un, un débat éditorial intéressant. Peut-être qu'ils sont largués. Ils le sont et ils le disent. Ils le sont et ils le disent. Euh... J'ai toujours pas compris les professions de foi des candidats pour le premier tour. Est-ce que c'est normal ah, T'es toujours pas reçu. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas à quelle date c'est censé arriver dans ta boîte aux lettres. Je ne sais pas. Après tout, c'est quoi une campagne parfaite Et ça, c'est une bonne question que tu poses. Hein. je suis d'accord avec toi. Ça, c'est la bonne manière de se poser la question. C'est. Attendez. Cette campagne nous déçoit. Bon. Do... Soit. Dont acte. Qu'est-ce que c'est qu'une campagne qui ne nous décevrait pas faut faire le travail inverse. Essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on attend d'une campagne présidentielle. Qu'est-ce qu'on estime être une campagne réussie J'ai reçu aujourd'hui les professions de foi. Eh bah, ben tant mieux pour toi, t'as de la lecture. Un débat sur le fond. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. En vrai. Il n'y a jamais eu de débat sur le fond, c'est pas vrai. Très peu. Le débat d'entre deux tours. Peut-être un moment de débat un peu sur le fond. Et encore, ça dépend. Parfois c'est la cacophonie. Parfois on en retient... On en retient que des aspects... Euh... Très superficiel. C'est quoi les professions de foi Profession de foi, c'est le nom qu'on donne à un document que tu vas recevoir par la poste normalement. Euh, c'est le programme du candidat. Enfin, c'est le programme. C'est un tract du candidat qui est plié en, qui est plié en deux, euh, dans lequel les candidats expliquent euh, ce qu'ils proposent de faire et pourquoi il faut voter pour eux. Et ça, normalement, tu les reçois par la poste. Tous les électeurs euh, ont vocation à recevoir. Euh, ce qu'on appelle donc les professions de foi. C'est le, le, le petit nom. Est-ce que tout ça c'est moins palpitant parce que tout donne l'impression que le président sortant va gagner à nouveau Oui, tu as raison, ça participe. Euh, ça participe, ce n'est pas lié qu'à ça. Mais le fait, le sentiment que les jeux sont, sont joués et qu'Emmanuel Macron va, va, va probablement être réélu président de la République dans l'esprit de beaucoup de gens, effectivement, ça participe. Je suis d'accord avec toi. Au côté, bah, s'il n'y a pas d'enjeu, ça m'intéresse pas. Et ça ne m'étonne pas. Donc, euh, donc voilà quoi. Euh... Est-ce que les gens qui vivent à l'étranger reçoivent aussi les professions de foi Je crois oui. C'est frustrant de ne pas pouvoir voter alors que c'est notre avenir qui est en jeu. Pourquoi tu peux pas voter tes mineur Ou tu ne seras pas là euh, le premier tour, tu seras à l'ASILAN. <laughs> Il n'y a pas eu autant de rebondissements qu'en 2017. Manière de voir les choses, hein. Oh, manière de voir des choses. Attends, des rebondissements, on en aura eu. Hein. À, à leur échelle, après on en pense qu'on en pense, mais euh, la comète Emmanuel Zemmour a, à l'automne dernier, euh, la, montée, euh, la montée de Jean-Luc Mélenchon en cette fin de campagne, euh, la guerre en Ukraine, euh, <laughs> l'affaire McKinsey, euh, Fabien Roussel, et la viande, le vin et le fromage, euh, on en pense qu'on en veut, mais c'est des, des petits éléments de campagne, quoi. J'ai dit Emmanuel Zemmour, pardon. La fatigue. Eric. J'ai vraiment un bug avec quand les, quand les mots commencent par, le même, par la même lettre. C'est comme Mélenchon et Emmanuel Macron. Comme ça commence par un M. Les deux, ça me. <laughs> Comment tu vas voter, tu as fait ta procuration Non, non, j'ai pas fait de procuration, je vais. Alors je suis encore inscrit dans mon ancien bureau de vote. Euh... Euh... Donc je vais retourner voter là-bas. <laughs> bah, ça va, hein, c'est un trajet en métro d'une demi-heure. Oh, je vais pas pleurer. Hein. Tout va bien se passer. On pourrait en faire une série dramatique de cette campagne. Ouais. Ouais, certainement. Jean-Manuel Machon. <laughs> Comment on connaît son bureau de vote euh, bah Normalement, il est écrit sur ta carte électorale si tu l'as reçu. Sinon, euh, à la mairie, il doit pouvoir te dire. Comment on fait pour être assesseur Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire euh, Je sais pas, assesseur. Honnêtement, j'en sais rien. Il faut que tu vois que ton président de bureau de vote, pour le dépouillement, tu peux être recruté le jour J. En mode bah, tu de présence spontanément en disant bah, si je peux filer un coup de main de tout à l'heure pour le dépouillement, ils seront contents. Site du gouvernement Ouais, site du gouvernement. Ouais, sur le site du service public, bah voilà, c'est encore plus simple. Est-ce qu'on peut voter sans carte électorale Oui, 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 juste avec ta carte d'identité. Il faut juste que tu ailles dans le bon bureau de vote par contre. Mais la carte électorale n'est pas obligatoire pour voter, c'est juste pratique pour les, les gens. Mais c'est pas grave. Si, si tu l'as pas, c'est pas, pas obligatoire. Donc, euh, donc voilà, donc ouais, ouais, une, campagne, euh, une campagne qui peut être frustrante à bien des égards. Ce que je comprends tout à fait. Moi, le premier, mais encore une fois, moi c'est moi c'est comme c'est mon métier hein, de, de suivre l'actualité politique. Euh, je, me, je me prends pas pour exemple vis-à-vis euh, -vis de personne. Du coup, je me mets à la place de personnes qui sont éloignées, je me dis que ça doit être encore pire pour eux. Tu penses que la présidentielle 2027 va ressembler à quoi Mais qu'est-ce que j'en sais <laughs> Est-ce que je... tu es marrant toi J'en sais rien du tout. Tu penses qu'en euh, 2019 tu euh, t'aurais réussi à te projeter dans une campagne comme celle-là Non, on peut pas savoir, j'en sais rien, on verra bien. Je me dis que les gens pas spécialement concernés sont pas conscients des enjeux du coup. Non, je pense. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que les gens peu concernés ont parfaitement conscience des enjeux et de leur gravité, mais euh, que paradoxalement ça participe à les éloigner. Je pense. C'est quoi l'excuse des gens éloignés de la politique pour être éloignés de la politique bah Déjà, c'est des réflexions comme celle-ci, qui leur fait peser une responsabilité sur la tronche, ça c'est sûr que ça participe pas à les intéresser au sujet. Là, je vous dis, la culpabilisation des gens, c'est le pire que vous puissiez faire. C'est pas en... <laughs> pas en gueulant sur les abstentionnistes que vous allez faire voter. Hein. <laughs> Tous des feignasses. Ouais, mais c'est comme. enfin, Moi, j'ai, de toute façon, je vous ai toujours dit, euh, vous faites ce que vous voulez. Euh, ma chaîne n'a pas vocation à vous dire, euh, déjà pour qui voter, c'est certain, mais même d'aller voter ou pas, je suis pas là pour vous dire, allez voter, faites ce que vous voulez. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, vous pouvez ne pas le faire si vous ne le souhaitez pas, pour des raisons qui vous sont propres, ça ne me regarde pas. Enfin, ça me regarde pas, j'ai envie qu'on en discute, ça m'intéresse. Mais. Euh... Mais. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire mais ouais non voilà, moi j'ai pas, pas de discours prescriptif, il y a un truc que j'ai jamais aimé, c'est le, le discours culpabilisateur. Par exemple quand on dit aux jeunes il faut voter c'est important. Je suis désolé c'est un argument qui en soi n'est pas suffisant pour donner envie d'aller voter, il faut aller un peu plus loin que ça, il faudrait que, il faudrait que, voter de, il faudrait que ça donne envie aux gens déjà pour commencer. C'est pas trop demander je trouve à la démocratie que d'être <laughs> attrayante. Et... Euh et puis par ailleurs, le côté, il euh, y a des gens qui sont morts pour qu'on ait le droit de voter, la moindre des choses c'est d'aller voter, c'est un peu le discours euh, culpabilisateur. Euh, fini ton assiette, il y a des petits Africains qui meurent de faim, ça va quoi, c'est pas. Pff, on convainc personne avec ça. Euh... On ne peut pas comprendre l'abstention quand on sait toutes les urgences sociales, écologiques qui nous attendent, ne pas voter, c'est le statu quo un peu. Oui, je comprends. Je comprends. Mais bon, en même temps, euh, t'as aussi des abstentionnistes qui te renverront à la gueule euh, le fait de voter, euh, c'est de valider un système qui, de façon, à démontrer son inutilité son inefficacité. Voilà. Alors, tu, tu réponds quoi à ça Je dis, bah, voilà, oui, bah. <laughs> tu vois, enfin, je veux dire, encore une fois, c'est se renvoyer à la gueule des accusations et surtout des responsabilités. Bon, c'est la faute des abstentionnistes si le monde ne change pas. Bah, non, c'est la faute des gens qui votent euh, si le monde ne change pas parce qu'ils continuent à. Enfin, bah, tu vois, bon. On peut sortir du registre euh, de l'interpellation pour, euh, je sais pas, rentrer dans un registre de la discussion. quoi. D'une manière générale. Qu'une hein. manière générale. Euh, tirer les gens par la manche, euh, pff, ça les convainc pas. Tordre le bras aux gens. Pas le meilleur moyen de les, de les convaincre. Mmh. Un peu déprimé, non, 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 ça va. Non, 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 je ne suis pas déprimé, non, non, non. Non, je vous dis juste que cette campagne est pas marrante, bon, ça va. <coughs> Après, c'est con, mais quand tu es précaire, bosse beaucoup, se renseigner sur la politique sur un peu de temps libre, c'est dur. Ouais, 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 non, je suis d'accord, effectivement, c'est la, la question des moyens qu'on qu donne aux gens ou que les gens se donnent pour s'intéresser à l'actualité politique. Ça ne peut pas expliquer seul et en soi, parce qu'il y a des précaires qui s'intéressent beaucoup à la politique, donc c'est qu'ils y trouvent leur temps. Euh, et l'énergie, mais je suis d'accord avec toi ceci étant encore une fois il ne s'agit pas de dire qu'il y a les gens exemplaires qui s'intéressent à la politique et les gens euh, les citoyens de seconde catégorie qui sont désintéressés je ne suis pas d'accord avec ça j'ai jamais aimé euh, ça ce qui est stressant c'est que les politiques semblent penser que les autres sont méchants et donc ça crisse pas mort ça malheureusement c'est l'enjeu de la compétition électorale qui effectivement euh, on peut pas en vouloir aux politiques qui se présentent à des élections de dire que leur programme est le meilleur à, à leurs yeux et que leur candidature euh, vaut plus le coup que celle des autres mais de là effectivement entrer dans une logique de soit tu votes pour moi soit tu es un méchant euh, je comprends que ça aussi ça dégoûte des gens ouais. oui oui je comprends après sur la question d'avoir du goût et du coup je vais dire le contraire de ce que je vous ai dit en disant que je suis le premier à considérer que la politique que la démocratie devrait être attrayante pour que les gens euh, aient envie de voter je suis le premier aussi à, à, à vouloir qu'on questionne un peu le, 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 le caractère attrayant de la politique. Euh, la politique n'a pas vocation à être fun ou à plaire. Est-ce que ça vous plaît Elle est bizarre cette question. Est-ce que ça vous plaît, la présidentielle, mais c'est quoi la notion de plaisir? Il y a plein de domaines dans la vie qui nous sont proposés comme étant plaisants. La publicité nous vend des produits en nous disant qu'on va gagner du bonheur ou du statut social ou je sais pas quoi et que ça va participer à notre bonheur ou à notre plaisir à minima il euh, y a plein de... Voilà, y a, y a, on a une offre de contenu sur Internet, on a une offre de propositions de plein de choses qui, nous, qui sont là pour nous exciter nos papilles etc. Est-ce que c'est le rôle de la politique que d'être sexy Je pense pas. Peut pas c'est peut-être un peu le paradoxe du truc. Hein. Une société du plaisir euh, qui nous vend l'idée que tout le monde doit être heureux euh, en toutes circonstances, etc. Euh, L'injonction au bonheur, vous connaissez ça comme moi. Bon, bah la démocratie, euh, c'est pas fun. Hein. Je suis désolé. On, on parle de guerre, on parle de système de retraite, on parle de, de, de solidarité, on parle d'allocation, on parle d'immigration, de, de sécurité. C'est pas des domaines. C'est pas l'empire du fun. Hein. Donc. Euh... C'est d'ailleurs dans ces moments-là que vous voyez le décalage, quand, quand, quand des personnalités politiques font des petits écarts. Euh, parce, que, parce que les personnalités politiques, vous le savez, moi je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dénoncé aussi, ils passent leur temps à être en costume cravate, hyper raide, derrière des pupitres, à vous parler comme à des enfants, ça m'a toujours énervé. Euh, et en même temps, bah, du coup, ils se fabriquent une image de la responsabilité politique, que je peux comprendre, hein, je suis le premier d'ailleurs, mais que du coup, dès que vous les voyez euh, entonner une chansonnette ou faire un pas de danse, vous les trouvez particulièrement ridicules. Mais c'est normal parce que comme le reste du temps, il nous renvoie une image d'un sérieux absolu. Pas de place pour la légèreté. Est-ce qu'on vote assez souvent en France bon, C'est une question de point de vue. Hein. On a des élections. Euh... On, a, on a combien d'élections On en a cinq des grandes, je parle des, 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 des scrutins d'ordre constitutionnel en France, il y en a cinq. Présidentielle, législative, européenne, régionale, départementale et municipale, il y en a six. Tu peux rajouter à ça, si tu veux, les élections professionnelles. Les élections des Français de l'étranger, pour ceux que ça concerne. Euh, les élections étudiantes pour les étudiants. Bon. Les référendums, il n'y en a plus depuis 2005. Je pense que c'est plus une problématique d'accessibilité que de fun. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est d'ailleurs la raison d'être de ma chaîne, hein. l'accessibilité, justement. Rendre possible de se sentir légitime à parler de politique, à avoir une opinion, même imparfaite, même en cours de construction. Euh, permettre aux citoyens de se sentir autorisés à s'intéresser à la politique. Donc oui, oui, je suis d'accord avec toi, l'accessibilité, c'est fou à quel point la politique est inaccessible. Moi je... J'ai la chance d'avoir un pied en dehors qui me permet de, quand j'en parle avec les gens qui sont encore dedans, euh, y compris des journalistes, des politiques, etc., je leur dis, mais vous vous rendez compte le jargon quand même, vous vous rendez compte. Le niveau d'inaccessibilité des, 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 des débats politiques, des discussions qu'on a, les mots qu'on utilise. Tous les mots sont minés, tous les mots sont lourds, sont durs. On parle de démocratie, de république, de laïcité, de dette, immigration. Enfin, je ne vais, vais pas refaire tout le, tout le vocable, mais... Chacun de ces mots est un mot lourd, est un mot dur, est un mot complexe, est un mot subtil, qui, qui s'enregistre dans un, dans un contexte. Oh là là. Ta chaîne s'adresse aux gens qui s'y intéressent aussi, finalement. Bah Non, moi, ma chaîne, je l'ai d'abord pensée pour, pour qu'elle qu touche des gens qui ne s'y intéressent pas. Et je sais qu'elle touche beaucoup de gens qui s'y intéressent déjà, tant mieux pour eux. Soyez les bienvenus, hein, installez-vous confortablement, il n'y a pas de soucis. C'est marrant, la dynamique Le Pen, fruit total d'une construction médiatique. Je ne suis pas sûr qu'on puisse accuser Le Pen d'être porté par une dynamique médiatique après tout le ramdam qui a été fait autour de Zemmour pendant des mois. Quand est-ce qu'on s'amuse ce soir Attends, attends, on va s'amuser, on va lire des articles, ça va être hyper intéressant. Tiens, non mais d'ailleurs, euh, vraie question. Tiens, je vais faire un sondage. Euh, hop. hop, hop, la question c'est est-ce que c'est votre première présidentielle Ce que j'entends par première présidentielle, c'est la première présidentielle à laquelle vous vous Intéressés. Si vous êtes là sur ma chaîne cet après-midi, c'est que je suppose que ça vous, que ça vous intéresse, que, que ça ne veut pas dire que vous êtes convaincu, que vous savez déjà pour qui vous allez voter ou que vous êtes militant d'un parti. Hein. Je veux juste que ce soit, ça attise votre curiosité. Est-ce que c'est la première fois euh, Est-ce que c'est la première présidentielle qui vous intéresse euh, Peut-être que vous étiez trop jeune pour les précédentes, peut-être que vous étiez. Euh, etc. Donc je vais faire un sondage. Hop, je vais être deux minutes pour voter. Boum. Donc dites-moi un peu. Vous pouvez très bien avoir voté à la précédente. Mais considérez que celle-là, c'est vraiment la première fois où vous où vous, vous sentez, euh, vous vous intéressez, vous, euh, vous êtes un peu dedans, vous vous sentez un peu dedans. Trop jeune avant. Ouais, alors moi, je connais des gens trop jeunes qui sont passionnés par la politique. Hein. Je connais des gens à 15 ans, 16 ans qui suivent euh, avec beaucoup d'assiduité la présidentielle, ça les intéresse, etc. Ils ne peuvent pas aller voter parce qu'ils sont mineurs, mais. Voilà, c'est pour ça que quand je parle de première, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets première. Vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Si on s'y était déjà intéressé, mais c'est la première fois qu'on vote. Bah tu réponds non alors. Parce que c'est pas la première fois que tu t'y intéresses, que tu, que, que tu te sens un peu dedans quoi. La première fois où je peux voter, mais j'ai pas mal suivi la précédente. Bah tu réponds non alors du coup. Mmh. Mmh. Obi Wan Kenobi, c'est quoi Obi Wan Kenobi, c'est une tradition. C'est pour ceux qui ne veulent pas euh, exprimer, un... c'est le vote blanc. <laughs> c'est le vote blanc dans les sondages sur ma chaîne. J'en profite pendant que le sondage se termine, j'en profite pour vous rappeler que je porte un très beau t-shirt, hein, absolument magnifique, que vous pouvez plus acheter maintenant. Perso, c'est ma troisième présidentielle majeure, mais seulement la première où je m'intéresse réellement. Ok, Justin, bah, tu vois, tu vois, typiquement. Donc j'ai un très beau t-shirt Backseat, j'ai aussi une excellente tasse backseat que vous pouvez acheter. Point d'exclamation YouTube dans le chat. Hop. Et pendant qu'on y est, pendant qu'on y est, je vous rappelle que vous pouvez euh, venir assister à Backseat en live. Hop. Ce sera... Pourquoi il n'y a pas écrit la date Merde. Ce sera le 21 avril Entre les deux tours Non, attends, ce pas le 21. Ok, donc pour, pour, les, deux, pour les trois quarts d'entre vous, c'est pas la première présidentielle à laquelle vous vous intéressez. Ok, ok, ok. ok. Euh... L'émission, ce sera celle du 21. Si, 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 c'est ça, c'est ça. Jeudi 21. Jeudi 21, euh, jeudi 21, vous pourrez venir euh, assister à, à Backseat en public dans un bar qui s'appelle le Belluccies, qui est à Paris à côté de la gare du Nord. Il y aura le plateau sur place. On fera une émission Backseat. Il n'y a plus de place. Si si, si 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 il y a toujours de la place, il y a eu un bug, mais il y a toujours de la place. Il y a des gens qui effectivement ont remonté que c'était sold-out, etc. Mais non, non, c'est pas sold out, hein. il y a de la place encore. C'est bizarre, vous devriez pas recevoir un truc. Euh... On, a mis, on a mis 500 places euh, en vente, je crois de mémoire, et on a déjà, fait, on a déjà rempli les deux tiers. Où est le lien, tiens regarde, je te le mets dans le chat. Hop, voilà. Donc jeudi 21 au Bellucci's à Paris. Est-ce qu'il y aura d'autres barcides de prévu en dehors de Paris Pas pour cette saison, non. Mm -mm. C'est pas Ivry-sur-Seine. Si, à Ivry-sur-Seine, c'est là où d'habitude on tourne Backseat. Mais là, exceptionnellement, on fait, on, je vous, on, on, vous l'avais promis, hein, dans le cadre du financement participatif de cette émission, je vous l'avais promis qu'il y aura un Backseat euh, en public, dans un lieu public. Donc il faut quand même réserver sa place, obligatoire. Je vous rappelle que le, le, la place, là, les, les 6 euros, vous donnent droit à une boisson. Hein. Merci, j'ai perdu un pari pour ton resub'. Euh, ce produit est victime de son succès non non mais c'est pas normal ça c'est la première fois que je parle réellement dans le chat mais je tenais à te féliciter pour les interventions des candidats à la présidentielle sur l'écologie ah merci c'est sympa, merci beaucoup <coughs> bah, à mon échelle j'ai essayé de faire ce que je pouvais <laughs> pour vous intéresser enfin j'essaye je continue, ça fait sept ans on continue à travailler 500 dans un bar, on va être très très serré. Non, 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 c'est un bar qui s'appelle le Bellucci's. C'est un bar qui est bien connu euh, des étudiants parisiens, parce qu'il y a souvent des soirées étudiantes. C'est un très grand bar, en fait, le Bellucci's. Euh, regardez, ça ressemble à ça. Ah, le un c'est un très très grand bar dans lequel on a de la place. Il y a une deuxième salle derrière, là où on mettra le plateau. Donc on peut faire, voilà, on peut faire entrer du monde. Hop. ça va être très cool on a fait l'erpérage technique avec l'équipe ils ont été super sympas le Bellucis je connais c'est cool ouais 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 et puis par ailleurs c'est un, un bar sportif euh, ce qui a un intérêt pour, pour nous ça faisait partie du cahier des charges c'est qu'ils ont des grands écrans de télé un peu partout ah, ça se voit pas forcément mais ils ont des grands écrans de télé. Ouais, tu vois, il y en a plusieurs euh, un peu partout dans la salle. Ce qui fait qu'on va, euh, va pouvoir vous diffuser euh, l'émission pendant que vous serez dans le bar. Donc voilà, c'est quand C'est le jeudi 21. Repérage technique, a.k.a. on a bu des coups ce week-end. <laughs> on avait fait un premier repérage, on avait eu rendez-vous avec la direction du bar où effectivement on a bu des coups. Et après, il euh... y avait eu des events au gaming. Ouais, il y en avait eu il y a plusieurs années, j'étais pas là, mais ouais, ouais. Euh, et ensuite l'équipe technique qui allait faire du repérage technique. Euh, ce sera diffusé sur Twitch aussi. Oui, oui bien sûr, bien sûr. Oui, 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 ce sera live. C'est ce les horaires de backseat classique ou ça te durera plus tard. C'est les horaires de backseat classique. Et après on boit des coups et le bar ferme à 2h du matin. Euh, donc ça va être cool, ça va être cool. J'ai hâte de vous rencontrer, ça va être sympa. Merci Phil ou non. Euh... Une idée de l'inviter, vous, vous le découvrirez en temps et en heure. <laughs> euh... Mais ce sera un backseat classique au sens classique de l'émission. On va faire une émission euh, classique. Euh... Ce sera un site avec, avec les chroniqueurs, avec le quiz à la con, etc. Donc ça va être cool. On peut rentrer boire des bières même si on n'a pas le ticket. Non, c'est privatisé. Il faut prendre une place à l'avance, ce qui nous permet nous de garantir le nombre de personnes qui seront euh, présentes. Euh... C'est pas interdit de boire de l'alcool sur Twitch. Non, c'est pas interdit de boire de l'alcool sur Twitch. C'est interdit d'être en état d'ébriété, de mémoire. C'est interdit de faire des jeux à boire avec son chat, c'est interdit de, se, de faire des, subs, des sub-trains où tu promets de boire des shots au fur et à mesure que les gens s'abonnent. Il y a des trucs comme ça qui sont interdits avec l'alcool, mais le fait de, de consommer de l'alcool n'est pas en soi interdit. Je profite de passer chill sur ton stream, départ au Canada demain ce ne sera plus les mêmes horaires pour suivre tes émissions. Et ben, bah bon voyage à toi euh... Donc voilà, alors attendez, j'ai sélectionné quelques articles d'actualité euh, pour qu'on discute un petit peu de, de l'air de la campagne. Toute la semaine, je vais faire ça. Cette semaine est une semaine un peu particulière dans le sens où il y a Baxit jeudi, mais le reste de la semaine, je ne vais faire que des streams tranquilles à la maison avec vous pour qu'on continue à discuter de ces derniers jours de campagne présidentielle, qu'on en fasse le bilan, qu'on la regarde avec distance, qu'on lise des articles, qu'on s'y intéresse, etc. Euh, jeudi, il y a Baxit. Samedi et dimanche, je ferai des streams, même si c'est pendant la période de réserve, donc je serai tenu par la loi. Euh, de ne pas vous parler des candidats, mais ça ne m'empêchera pas de discuter avec vous. Euh, et dimanche soir, je ferai une soirée électorale sur ma chaîne. Euh, vous pourrez suivre avec moi euh, le premier tour de cette élection présidentielle si vous le souhaitez. Euh, du coup, tac, 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 tac. Hop. Premier article que j'ai sélectionné justement sur la dynamique Le Pen. Comment ça se fait que Marine Le Pen se maintienne aussi bien dans les sondages, malgré, euh, malgré la perturbation de sa campagne par Éric Zemmour au cours de l'automne dernier, malgré les défections de son camp euh, de Stéphane Ravier à Marion Maréchal Le Pen, en passant par beaucoup de ses anciens soutiens, malgré le fait qu'elle qu soit restée, ou peut-être justement grâce, on va voir ça, qu'elle soit restée relativement discrète sur, sur, plein, de, sur plein de sujets. C'est probablement d'ailleurs ça, on en parlera après. Mais, euh, mais donc voilà, c'est donc un article du Monde par, écrite, écrit pardon, par Ivan Trippenbach. La candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle se réjouit de sa progression dans les dernières lignes droites avant le scrutin des 10 et 24 avril qui repose sur une conjonction d'éléments inédits. Quel est le son d'une ambiance de victoire Au Rassemblement national, il ressemble à un mixage techno où l'on entend Marine Le Pen promettre sur un ton martial de rendre la France à la France. Vendredi 1er avril, le parti a diffusé la bande après que la candidate d'extrême droite s'est réjouie d'un espoir qui s'est levé. À stiring Vandel en Moselle, Jordan Bardella, donc est le patron du parti, je rappelle le président du parti, Jordan Bardella, député européen, faisait mine de donner un point au camp adverse. La Macronie a raison d'affirmer que Marine peut gagner cette élection présidentielle. Une quinzaine de jours que les figures de la majorité s'inquiètent, en haussant le ton. Une victoire possible de l'extrême droite, bien sûr, Marine Le Pen peut gagner a prévenu l'ancien chef du gouvernement Édouard Philippe le 31 mars dans Le Parisien, une semaine après le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Marine Le Pen s'est drapée d'une cape de banalité pour masquer ce qu'elle est, a renchéri le président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, dimanche sur RMC, avant d'admettre On n'a pas tout bien fait. Ah, intéressant. Dire que Christophe Castaner reconnaît en creux qu'il y a une part de responsabilité de la majorité sortante dans la dynamique Le Pen pour cette élection présidentielle. Dans un, dans un éventuel second tour, Marine Le Pen est mesurée entre 45 et 47% des intentions de vote, <coughs> selon les instituts. Un niveau record. En 2017, les sondages à la même période lui octroyaient 10 points de moins. Plus inédit, Marine Le Pen dépasse de loin tous les autres prétendants testés au second tour. Au vote efficace à gauche, que souhaite incarner Jean-Luc Mélenchon, au vote vital dont se contente Eric Zemmour, la candidate d'extrême droite se présente désormais comme un inhabituel et dangereux vote d'alternance. Voyez la différence entre les, entre les trois Vote efficace, ça veut dire vote utile, mais dans le jargon de Jean-Luc Mélenchon qui ne veut pas assumer d'appeler à voter utile parce qu'il a toujours été contre le vote utile. Euh, vote vital, pour Éric Zemmour, c'est dans sa, dans sa dialectique de sauveur de la France. <laughs> la France en péril, la France en danger, euh, et ma candidature est là pour la sauver. Euh, le vote d'alternance, ça, ça sous-entend une crédibilité d'action euh, au pouvoir, ce qu'a ce qu toujours rêvé d'incarner Marine Le Pen, c'est-à-dire une alternance au pouvoir en place, la capacité à prendre la direction de la France. Dès le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, enfin, dès la passation de pouvoir, quoi. Nouveauté. Alors effectivement, la, la notion de, de vote d'alternance, c'était quelque chose qui était rejeté par Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen n'avait pas vocation à proposer une alternance ni même une alternative. <laughs> si alternative, il le disait, mais alternance, c'était pas dans sa tête, c'était pas dans son, c'était pas dans son scope. Marine Le Pen, elle, si clairement. Nouveauté de 2022, elle bénéficie d'une progression qui ne s'effrite pas. C'est une rupture par rapport à ses deux dernières campagnes. Elle n'a jamais connu de dynamique présidentielle dans les dernières semaines, relève Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. En 2017, la candidate du Front National avait subi un tassement un mois avant le premier tour. En 2012, elle avait décliné fin mars. Autre élément inédit, elle est au coude à coude avec le président sortant dans la catégorie charnière où se joue un vrai match, complète Frédéric Dabi, en citant les 50-64 ans et les 25-34 ans ou le, les salariés du privé. Ouais, ça c'est des catégories de population assez importantes. Hein. Euh, ok, ok, ok. Pour la première fois, Marine Le Pen dispose aussi de réserve de voix. Ça aussi c'est une grosse nouveauté. Vous voyez ce que c'est qu'une réserve de voix Réserve, ce qu'on appelle une réserve de voix, c'est euh, des voix qui ont été récoltées dans un premier tour d'élection par des partis politiques qui ne sont pas le tien mais qui sont proches du tien et qui sont susceptibles de basculer vers toi au second tour pour te soutenir. Merci Fofo75 pour ton prime. Euh, avoir des réserves de voix, c'est quelque chose d'assez euh, important. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon est susceptible d'avoir des réserves de voix auprès du vote communiste. Ils ont longtemps été alliés. On peut raisonnablement penser que les gens qui ont mis au premier tour un bulletin. Euh, Fabien Roussel dans l'urne sont susceptibles, s'il se qualifient au second tour, de voter Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a une réserve de voix. Euh, Marine Le Pen, historiquement, n'a pas de réserve de voix. Euh, c'était le cas en 2012, c'était le cas en 2017. En 2012, elle n'est pas arrivée au second tour, c'était le cas en 2017, elle avait peu de réserve de voix. Elle a quand même réussi à faire un score important, mais elle avait peu de réserve de voix. Euh, les abstentionnistes, c'est aussi une forme de réserve de voix un peu particulière, parce que l'enjeu, c'est de les mobiliser. Euh, tac, 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 tac. Euh, or là, Marine Le Pen, euh, elle a une réserve de voix euh, du côté d'Éric Zemmour qui est donné aux alentours de 10% dans les sondages à l'heure qu'il est. On verra quel score il fait au premier tour. Et euh, d'une partie du, des Républicains aussi, du score de Valérie Pécresse, qui pourra lui être bénéficiaire. Donc elle a, elle a cette fois-ci, et c'est un peu une nouveauté, une réserve de voix. Euh... Elle conçoit le second tour comme une nouvelle élection, où se joueront les reports de suffrage d'Éric Zemmour et la démobilisation de la gauche, dans une stratégie d'endormissement du front républicain pensée de longue date. Selon Ipsos... Elle bénéficierait de 8 électeurs sur 10 de son rival d'extrême droite, tandis que la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon déclarait fin mars vouloir s'abstenir de voter s'il fallait choisir entre elle et Emmanuel Macron. Oui, je rappelle, on avait déjà lu un article sur est-ce que c'est vrai que les électeurs de Mélenchon voteraient Le Pen au second tour face à Macron, etc. C'est plus compliqué que ça. Il y a des gens qui ont dit un électeur sur 3, ce n'est pas vrai. On est plutôt aux alentours d'un électeur sur 5 parce qu'il faut tenir compte de l'abstention. Euh, mais en tout cas, Marine Le Pen, elle compte sur une abstention des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au second tour qui n'iraient pas soutenir Emmanuel Macron pour faire barrage. Euh, cette lente ascension ne se réduit pas à l'effet Zemmour. Outre ces revirements symboliques, la présidente du RN a dessiné au fil du quinquennat une normalisation de l'encre sympathique. Une normalisation à l'encre sympathique. Vous voyez ce que c'est une encre sympathique C'est une encre qui ne se révèle que si vous utilisez un certain euh, procédé ou artefact. Utilisant des projections extérieures pour révéler une image supposément rassurante. Éric Zemmour a joué le rôle d'un paratonnerre inespéré. Laissant sa concurrente éclipser dernièrement ses propres incontentes historiques avec le régime de Moscou. Oui, c'est vrai ça. Paradoxalement, elle a bénéficié de, du caractère infréquentable d'Éric euh, Zemmour et de ses acquaintances avec euh, Vladimir Poutine pour, elle, euh, récolter un vote raisonnable de gens qui disent qu'on peut, ne on peut, peut quand même pas voter Zemmour après, euh, après l'invasion de l'Ukraine, alors même que Marine Le Pen et sa proximité avec, euh, avec la, la Russie poutinienne est documentée depuis des, depuis des décennies maintenant. Même procédé euh, il y a plus d'un an. Face à Gérald Darmanin sur France 2, Marine Le Pen prononce la phrase qui casse le lien d'adhésion des identités RN et ouvre une brèche à la candidature Zemmour. Je n'entends pas m'attaquer à l'islam, c'est une religion comme une autre. S'ensuit le mot du ministre de l'Intérieur qui lui offre une respectabilité devant 1,9 million de téléspectateurs. Je vous trouve un peu molle, on se souvient de cette phrase de Gérald Darmanin. À l'Élysée, où l'on a observé le débat télévisé, un proche conseiller du chef de l'État s'inquiétait dès le lendemain de sa métamorphose. Auparavant, Marine Le Pen avait ravi à Jean-Luc Mélenchon le trophée de premier opposant au chef de l'État, en évitant certains écueils populistes comme le soutien à des figures radicales du mouvement des Gilets jaunes. Elle amène une stratégie d'image aux antipodes de celle de 2012 et 2017, passant de l'affrontement au rassemblement du choc au soft. Notre Raphaël Liorca, de la Fondation Jean Jaurès. Je suis assez d'accord avec lui. Ça, ça a été la principale mue pour moi de, de Marine Le Pen ces dernières années, c'est d'éviter de rentrer dans une logique du choc et d'assumer un côté euh, j'esquive. Elle a été très discrète sur le mouvement des Gilets jaunes. Très discrète. On aurait pu s'attendre à ce qu'elle participe, soutienne, etc., elle est restée très en retrait. Euh, et pareil, on le verra peut-être sur, sur la question ukrainienne et aujourd'hui sur la question du pouvoir d'achat. Une forme inédite de campagne thérapie qui capte l'émotion démoninante, la fatigue, dans une société désireuse de penser ses plaies, d'apaiser ses angoisses, ses peurs et ses inquiétudes. Sa stratégie d'image masque un programme qui reste fondamentalement d'extrême droite, mais aussi des erreurs successives qui expliquent qu'un Français sur deux la perçoit toujours comme inquiétante. En pleine crise sanitaire, Marine Le Pen plaidait pour l'hydroxychloroquine et soutenait le professeur Didier Raoult au point d'afficher un centon à son effigie à Noël. Méfiante vis-à-vis -vis du vaccin, elle redit aujourd'hui sur France Info qu'elle n'aurait pas obligé les gens à se vacciner parce que ce vaccin n'empêchait pas d'attraper le Covid, ce que le gouvernement français n'a pas fait non plus. Dans une crise internationale, dans la crise internationale, Marine Le Pen a toujours relayé la version du Kremlin sur l'Ukraine. Douze jours avant l'offensive russe, elle déclarait le 11 février à Toulon que l'OTAN n'est plus cette alliance qui protège l'Europe de l'armée rouge, mais une organisation belliciste dont les élargissements successifs visent moins la protection des pays européens que l'encerclement dangereux de la Russie. Elle a depuis éclipsé ses positions pro-Poutine derrière son discours sur le pouvoir d'achat. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Je ne sais pas s'ils en parlent après dans l'article, mais c'est pour moi le plus important. Et ce qui existe en grande partie, le fait que, que, que Zemmour, ça ne prend plus et que, et que, et que Marine Le Pen, ça prend, c'est que non seulement la Russie a éclipsé euh, ses positions pro-Poutine euh, historiques, pourtant historiques, elle a été aidée par ça, par, euh, par euh, comment il Eric Zemmour, mais surtout, elle a, elle a, elle a réussi à être à l'écoute de son propre électorat en ne prenant pas parti contre l'accueil de réfugiés ukrainiens sur le sol français. Elle a dit qu'elle était favorable à accueillir des réfugiés ukrainiens sur le sol français, alors qu'Eric Zemmour a dit non. Euh, et par ailleurs, elle a décidé de faire une camp fin de campagne intégralement sur la question du pouvoir d'achat et pas sur la question migratoire ni sur la question ukrainienne, euh, sachant qu'on l'avait déjà observé ensemble dans une enquête du CVIPOF, il a été démontré que les électeurs de Marine Le Pen, pour la première fois, placent la question du pouvoir d'achat devant la question de l'immigration et de l'insécurité, qui pourtant était historiquement le problème numéro un pour eux. Et maintenant, non, maintenant c'est le pouvoir d'achat. Et ça, Marine Le Pen, elle a, elle a réussi à saisir ça, elle a fait, bah, je vais vous parler que de pouvoir d'achat. Euh, on met de côté la question migratoire et la question de l'insécurité euh, c'est pas, euh, pas une campagne comme par le passé maintenant il faut changer de ton reste une multitude d'inconnus de l'abstention pénalisant le RN à la vigueur du front républicain à ce stade on peut simplement mesurer l'envie d'éliminer résume Frédéric Daby. or on ne relève plus d'élimination automatique de la candidate Le Pen comme par le passé sans parti allié Marine Le Pen scellera-t-elle un tandem avec Éric Zemmour comme le dénonce d'emblée Emmanuel Macron son entourage écarte pour l'heure la perspective d'un meeting commun Entrouvert par le polémiste. Oui, c'est vrai que Éric Zemmour a semblé tendre la main en disant qu'il était prêt à, à faire un meeting commun entre les deux tours avec Marine Le Pen si elle se qualifie. La campagne d'entre deux tours jouera un rôle prépondérant. Marine Le Pen avait perdu 6 points en 2017 par rapport au sondage pour atterrir à 33,9, comme tout événement extérieur, à même de la perturber. Samedi, la guerre en Ukraine a livré au monde une nouvelle image d'exaction. Après, après le retrait de l'armée rouge. Ah, excusez-moi, je suis fatigué. Après le retrait de l'armée russe dans la région, des corps de civils gisant dans les rues ont été découverts à Bouchard, à 50 km de Kiev, et dans des fausses communes. Marine Le Pen assurait encore jeudi que, bien entendu, Vladimir Poutine serait l'allié d'une France qu'elle présiderait sans émettre aucune réserve quant à, quant à des crimes de guerre. Donc Marine Le Pen n'a pas changé sur le fond, mais elle, a, elle est parvenue à se donner une image de respectabilité et euh, de vote d'alternance en étant aidée par Éric Zemmour qui par sa radicalité a aidé à recentrer Marine Le Pen et à apparaître comme un vote euh, raisonnable dans la période le seul espoir serait qu'elle se replante dans le discours d'entre-deux-tours. Dans le débat d'entre-deux-tours, ouais, bah elle, elle a dit, elle a déclaré en interview qu'elle se, qu se préparait déjà à un débat d'entre-deux-tours avec Emmanuel Macron, compte tenu du fait qu'elle a raté son débat de 2017, ce qu'elle reconnaît elle-même d'ailleurs, volontiers. Elle le dit. C'était un mauvais débat, j'ai raté, j'ai pas, pas été là, etc. Euh... Donc voilà, elle l'aide de Bayrou qui a apporté son parrainage. Oui, pour les 500 signatures, euh, pour les 500 signatures, ouais. Oui, 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 François Bayrou, on en avait déjà parlé, hein. François Bayrou qui a apporté ses parrainages à Marine Le Pen pour lui permettre de se présenter à cette élection présidentielle, de peur que Valérie Pécresse, qu'en qu l'absence de Marine Le Pen, Valérie Pécresse euh, incarne euh, un vote dangereux. Disons qu'en fait, pendant une longue période de cette présidentielle, euh, le camp Macron se mettait dans le crâne qu'un vote au second tour face à Marine Le Pen c'était sûr que c'était gagné qu'un vote face à Valérie Pécresse c'est pas sûr du tout que ce soit gagné elle a d'énormes réserves de voix et elle a moyen de l'emporter euh, et qu'un vote face à Mélenchon c'était sûr d'être gagné également mmh. Est-ce que tu ne penses pas qu'un soutien affiché de Zemmour à Le Pen pourrait rebuter certains de ses électeurs les moins radicaux C'est une bonne question. C'est une bonne question. Elle bénéficierait, elle bénéficierait bien davantage d'un ralliement d'Éric Ciotti que d'un ralliement d'Éric Zemmour. Ouais. Ah, oh, je sais pas. Parce qu'encore une fois, on, on parle de réserve de voix. Si 8, si 8 électeurs sur 10 qui votent Zemmour sont prêts à voter Marine Le Pen au second tour, c'est assez acquis. Elle n'a pas forcément besoin de faire un meeting commun avec lui. Pourquoi Macron-Méluche serait un second tour tranquille pour les Macronistes ben parce que si tu regardes les sondages du second tour, euh, Emmanuel Macron euh, remporte euh, l'élection présidentielle face à Jean-Luc Mélenchon, euh, quels que soient les scénarios, d'autant qu'on peut imaginer raisonnablement que <coughs> Emmanuel Macron bénéficierait d'un report de voix très important, de, de tout un tas de, vo de votes de droite qui, euh, qui, euh, qui ont très très peur de... de c'est la trouille historique de l'arrivée des rouges au pouvoir. C'est un peu classique, mais c'est un ressort qui marche très très bien sur des électorats mobilisés, très mobilisés. Merci Carso, merci UN44. Est-ce que tu penses que Le Pen et Zemmour peuvent négocier un poste de ministre, voire de Premier ministre pour Zemmour Tu veux dire, dans, dans l'éventualité d'une victoire de Marine Le Pen, est-ce qu'Eric Zemmour pourrait être Premier ministre euh, Je ne sais pas, je ne pense pas. Pour être très honnête avec toi, je ne pense pas qu'Eric Zemmour se projette dans l'exercice du pouvoir. Je pense qu'il est très content de faire campagne, ça le fait marrer, il, fin, il joue son rôle, etc. J'ai du mal à l'imaginer déjà député, mais alors ministre, Premier ministre, a fortiori. Euh, non, je pense qu'ils auraient cherché, euh, ils, aura ils iraient chercher quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnalités. Il y a un Eric Ciotti, encore une fois. Un Eric Ciotti il a déjà été ministre, il est parlementaire depuis des années. Il a du réseau, du savoir-faire politique. Ce qu'Eric ce que, ce qu Zemmour n'a pas ou peu. Est-ce qu'on peut imaginer une majorité RN aux législatives Vous pouvez imaginer ce que vous voulez aux législatives. Les législatives dépendent tellement beaucoup du premier et surtout du second tour à l'élection présidentielle que, bon. Penses-tu que les premières estimations statueront définitivement les candidats du second tour Non. Ah, ah, non, pardon, excuse-moi, les premières estimations à 20h J'en sais rien, les amis. Moi, je sais pas. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal. Je, je... Il est possible que ce soit très serré. Il est possible que ce soit très serré. Ça l'a été en 2002. Ça l'a été dans une certaine mesure en 2017, euh, où il y avait quand même un mouchoir de poche hein, pour arriver au second tour entre euh, Fillon, euh, euh, Fillon, Mélenchon et Marine Le Pen. Un mouchoir de poche à, à 3% près, quoi. Est-ce que tu penses que l'électorat de Macron et Le Pen pourrait se sentir trop confiant et être victime d'une mauvaise surprise pour eux dimanche soir prochain, sachant que les électeurs de gauche sont encore très très indécis Absolument, je suis d'accord avec toi Trapper, oui. Oui, 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 oui c'est vrai. Non seulement dans les analyses, il faut tenir compte de l'abstention, qui est une énorme inconnue comme d'habitude, le taux de participation c'est un truc important, euh, mais l'autre truc dont il faut apprendre à tenir compte, et c'est encore plus difficile que de tenir compte de l'abstention, c'est la volatilité des votes. Beaucoup de gens ne savent pas, à l'heure qu'il est, encore pour qui ils vont voter. Il y a beaucoup d'indécis. Et ça, ça peut créer des surprises dans tous les sens. De la même manière, euh, de la même manière que je vous disais, euh, que, 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 que euh, Emmanuel Macron, qui est en tête des sondages depuis très longtemps, a un risque d'avoir un vote, comment dire, d'avoir des gens qui auraient potentiellement voté pour lui au premier tour. Dans l'idée, mais qui, compte tenu du fait que de toute façon il est quasiment sûr d'être au second tour, vont préférer voter pour quelqu'un d'autre. Euh, c'est exactement le syndrome Jospin en 2002. C'est un peu l'inverse du vote utile. Et ça, c'est un, un truc qui peut coûter cher à, à Emmanuel Macron, qui peut perdre 4, 5, 6 points à cause de ce type de, de truc-là et le faire descendre en dessous de la barre des 23-24%, voire même le, le mettre en ballottage défavorable avec une Marine Le Pen. Qui le tutoie, voire le dépasse. Ou Marine Le Pen ou un autre candidat, ou Jean-Luc Mélenchon aussi. Ma tante droitearde va voter la salle cette année tellement. Tellement elle veut rien avoir à faire avec cette histoire. Ah, C'est ce que j'ai dit euh, hier soir sur France Inter en disant que Jean euh, Lassalle pouvait représenter un vote anti-système et, et de dégagisme pour tout un tas de gens qui sont tentés de voter blanc ou de voter nul. Euh, qui vont se dire non beau, tant qu'à faire, je vais voter Lassalle. Ça envoie un message à peu près similaire. Dans l'esprit de beaucoup de gens, ça peut être ça. Enfin beaucoup, attention. Un Le Pen Mélenchon est presque envisageable. J'en sais rien. Je, je, si tu regardes les dynamiques de sondage de ces dernières euh, semaines, non, c'est très peu, euh, très peu possible. Probable. Mais tout est possible. Euh, et un vote caché de Zemmour, tu penses qu'il peut y avoir des surprises Il Peut toujours y avoir des surprises, bien sûr. Bien sûr. Là aussi, même mécanique euh, que euh, Jospin 2002 des gens qui sont tentés de voter Marine Le Pen mais qui, euh, voyant que de toute façon c'est à peu près sûr qu'elle soit au second tour, se disent non, bah, tant qu'à faire je vais voter euh, Zemmour, euh, au moins un peu de nouveauté dans cette campagne, euh, un vote euh, un peu plus radical etc. Euh, et ça peut être des voix en moins pour Marine Le Pen qui du coup pourraient potentiellement ne pas réussir à se... Mais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur quoi est-ce que comptent les les, 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 les... les candidats pour se maintenir ou arriver dans un tour etc. Non seulement tu... Tu comptes sur le fait que, les, que, que, que toi, sur ta candidature, tu vas attirer des votes, y compris venus d'à côté. Hop là, comme ça, pour consolider et monter. Mais tu, tu paries aussi sur le fait qu'en face, ça va s'affaisser et qu'il y aura des abstentionnistes ou alors des dispersions de voix. C'est exactement pour ça que Marine Le Pen, si elle arrive au second tour face à Macron, pour euh, remporter l'élection présidentielle, elle croise très fort les doigts pour que les Mélenchonistes s'abstiennent d'aller voter plutôt que de voter. Euh Macron, c'est l'affaissement ou l'affaiblissement ou voire même l'effondrement mmh. du vote barrage ou du, ou du front républicain. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase premier, vote, premier tour vote de cœur, second tour vote de raison En fait, c'est pas d'accord ou pas d'accord. C'est que euh, c'est que une question de vote stratégique, de pourquoi est-ce qu'on vote, comment est-ce qu'on vote et de quelle manière. Je ne suis pas ni en accord ni en désaccord. C'est juste que chacun des électeurs a des raisons de voter. Oh, pardon, a des raisons de voter pour le candidat pour lequel il vote. Euh, et ça peut être un choix de cœur, ça peut être ça peut être un, ce qu'on appelle un vote utile ou un vote efficace, appelez ça comme vous voulez. Ça peut être un vote de rejet ou un vote barrage. Merci frérie Et puis souvent c'est un peu les trois et donc c'est des curseurs que tu fais bouger euh, en fonction de en fonction de toi. Je pense aux vieux qui ont peur du Covid, qui ne se déplaceront pas pour aller voter. Ils, ils votent quoi les vieux À des vieux qui ont peur du Covid et qui donc n'iront pas voter. Non, 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 je pense pas. Euh... Non, non, les personnes âgées sont un électorat généralement très mobilisé. Hein. C'est des gens qui votent ou alors qui font des abstentions, des procurations, pardon. Mmh. Euh... Est-ce que le Covid peut jouer un gros rôle dans cette élection Écoute, tu m'aurais posé la question de l'année dernière, je t'aurais répondu oui très probablement. Euh, la réalité c'est que euh, de, par, euh, de par le retrait progressif des mesures barrières, et la montée en puissance du, du dossier ukrainien ces dernières semaines, le Covid est un peu passé au second plan. C'est marrant, c'est que les moins de 30 ans votent en premier Marine Le Pen. Euh, je ne sais pas d'où tu tires ça. Euh, mais moi j'ai vu euh, des sondages qui mettaient Jean-Luc Mélenchon chez les jeunes, hein, chez les chez les, moins, chez les moins de 25 ans, chez les 18-25 ou même les 18-30, je sais plus, qui mettaient Jean-Luc Mélenchon en premier, à peu près un tiers, 30, entre 30 et 35%. Est-ce que l'abstention va être élevée Ouais, c'est fort possible que l'abstention soit élevée. Euh, en 2017, on était à 78% de taux de participation, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Je trouve qu'on n'a pas parlé assez du Covid pendant cette présidentielle. Bah, parler du Covid, parler du Covid, ça dépend si tu veux en parler au futur ou au passé, quoi. Donc, ça peut être des éléments de bilan qui sont mis au crédit ou euh, au débit d'Emmanuel de, Macron. Euh... Mais si, 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 si. moi j'ai entendu les candidats s'exprimer sur le sujet. Hein. Euh... Il se passe quoi à moins de 50% de participation Rien. Selon toi, les influenceurs devraient-ils plus inciter les jeunes à voter Selon moi, les influenceurs, ils font ce qu'ils veulent, comme les jeunes. Voilà, c'est pas. Un... Merci Lucas The Bord pour ton Prime. Merci Monsieur Frit, pour ton resub. Euh... On n'a pas assez parlé de beaucoup de trucs en général. Ouais, ouais, ouais. Et encore, quand, quand, quand on parle de ces sujets-là, en fait, il fallait, il fallait aller piocher dans les meetings des candidats, dans leur expression, dans les émissions de radio, etc. Il y a plein de sujets qui ont été abordés euh, par plein de personnes. Euh qu'on en soit satisfait ou pas. Hein. Euh... Où est-ce qu'on peut retrouver les interviews des candidats sur l'écologie Sur ma chaîne YouTube. La chaîne Jean Massier replay. Macron est-il soutenu par son parti Dimanche, quand il annonçait le départ à la retraite de 65 ans, il avait du mal à se faire applaudir et à jeter un froid. Ah bon Je n'ai pas noté ça. Est-ce qu'il est soutenu par son parti Oui. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs... D'ailleurs, j'ai un autre article à lire avec vous sur ces, ces anciens ministres PS qui ont l'intention de créer un nouveau parti politique pour rejoindre Emmanuel Macron. Euh, je vais aux toilettes très rapidement, je vous laisse jouer à la chambre Sloby pendant ce temps-là et je reviens normalement à Sloby 34, je suis là. 32. Raté. Qu'est-ce que je disais? Du euh, coup, du coup, du coup, du coup, cet article que je voulais lire, tac, 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 c'est celui-là. Un article de Loris Boischaud euh, dans le Figaro présidentiel 2022, un nouveau parti pro-Macron créé par d'ex-ministres PS. Qu'est-ce qu'ils nous font encore Pourtant, ils avaient créé. Comment s'appelait le truc Les Engagés, le mouvement Les Engagés. C'est un truc créé par Laurent Geoffrin et d'anciens socialistes, mais que je lisais pas forcément comme un truc de soutien à Macron. C'est de la social-démocratie à l'ancienne. Donc, c'était plutôt un espèce de groupuscule qui voulait soutenir euh, un, un hypothétique retour de, de François Hollande. Hypothétique, de moins en moins hypothétique, puisque François Hollande lui-même a l'air de dire qu'il veut participer à la renaissance de la gauche après, la, après le, le second tour. Avec Fédération progressiste, le maire de Dijon, François Repsamen, lance un appel aux électeurs de gauche en vue du premier tour. Il entend peser dans une éventuelle future majorité macroniste. François Rebsamen, c'est un, euh, un ancien ministre socialiste, un ancien euh, éléphant du PS qui, a, euh, qui est maire de Dijon et qui a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron il y a quelques mois, obtenant par la même un déplacement d'Emmanuel Macron qui est venu à Dijon pour faire campagne. Les macronistes de gauche s'activent dans la dernière ligne droite. À quelques jours de l'élection présidentielle, plusieurs anciennes figures socialistes ralliées à Emmanuel Macron annoncent fonder Fédération Progressiste, un nouveau parti politique favorable au président candidat, une manière d'envoyer un nouveau signal à des électeurs de gauche aux voix cruciales en cas de nouveau second tour Macron-Le Pen. Devant la gravité de la période, la dangereuse montée de l'extrême droite, il est temps d'offrir aux Français une véritable alternative social-démocrate, car les prochaines années seront décisives pour la France, écrit dans un communiqué Paris lundi, l'ancien ministre, ministre François Repsamen, confirmant une information du Parisien. <coughs> Ce mouvement est une réponse sociale, républicaine, écologique et européenne de ceux qui refusent de voir disparaître le socialisme, détaille le maire de Dijon, où s'est rendu Emmanuel Macron lundi 28 mars. Son initiative rassemble une douzaine d'élus issus de la gauche, parmi lesquels d'anciens secrétaires d'État Juliette Méadel, mais aussi des élus, le maire de Cléchis-sous-Bois Olivier Klein, l'ex-président de la métropole de Lyon David Kimfeld, Kimmelfeld, Kim euh, ou encore le maire de Dunkerque Patrick Vergriette. Les statuts du parti doivent encore être déposés. Pas question douteux de, de se livrer à un soutien inconditionnel au chef de l'État, expliquent dans l'entourage de François Absamen. Les élus veulent défendre leur sensibilité de gauche sur plusieurs points du programme, par exemple en défendant une meilleure prise en compte de la pénibilité du travail dans la réforme des retraites. Pour y parvenir, les responsables de Fédération progressistes espèrent peser dans une éventuelle future majorité macroniste. Ils prévoient donc de présenter des candidats aux législatives de juin, mais ils devront pour cela se frayer un chemin dans le maquis des partis pro Macron de la République en marche à la Fédération progressiste désormais, pas moins de 8 parties de la majorité devront se mettre d'accord. Avec ce nouveau venu, les négociations sur les investitures s'annoncent encore plus compliquées que prévues. Tu m'étonnes. Euh... Ok, donc c'est la fin de trajectoire pour François Repsamen et les autres, qui voient du coup dans Emmanuel Macron la continuité de la social-démocratie sur le E. Ils espèrent peser en interne. Euh... C'est marrant, hein, parce que... Fin... Espérer peser en interne depuis l'Assemblée nationale sur la politique du gouvernement, quand on voit la grande difficulté qu'ont eu les, les députés macronistes à peser en interne sur à peu près n'importe quel sujet, même s'ils ont obtenu quelques victoires, mais très symboliques et très tardives, euh, ça me paraît audacieux comme pari. À tout au plus, ils vont avoir cinq investitures ils vont être un micro-groupuscule au sein d'un groupe pléthorique. C'est quoi la social-démocratie Tu peux nous rappeler ses positions euh, La social-démocratie, c'est euh, un des avatars du réformisme de gauche en Europe, euh, qu'on retrouve principalement en Allemagne et dans les pays d'Europe du Nord. C'est un, surtout une doctrine politique, hein, plus qu'une qu idéologie. La social-démocratie, c'est un réformisme, donc, euh, qui vise à modifier euh, les, règles, euh, les règles du jeu économique euh, en faveur de la justice sociale. Mais c'est surtout une, surtout une, une doctrine et une pratique politique qui est celle du compromis. C'est ça la social-démocratie. Ça, ça fonctionne très bien en, en, en Europe du Nord, dans des pays qui ont des cultures de compromis, avec un syndicalisme fort, euh, un syndicalisme de négociation, quasiment de co-gestion parfois. Donc voilà, les sociodémocrates en France, c'est grosso merdo le Parti Socialiste. Euh, le Parti Socialiste, une partie de la Macronie, une partie des écologistes, les radicaux de gauche aussi. Euh, C'était François Hollande, quand il était président de la République hein, en 2016, qui avait dit dans une interview Je suis social-démocrate. Dans une oui. conférence de presse, je m'en souviens, je suis social-démocrate. Euh... Du coup, c'est du centrisme mou. Non, le... non, la social-démocratie ne s'inscrit pas dans la tradition du centre, qui a une autre tradition, qui a une autre histoire. Ils ont pu faire alliance ponctuellement à certains moments. Bah, là, la preuve, il hein, y a des sociodémocrates qui sont prêts à, à rejoindre Emmanuel Macron euh, et sa logique de dépassement, euh, qui pour le coup est le très centriste, très giscardienne. Ça a planté, j'ai rien suivi à ton article. Ah merde, désolé. C'est une posture plus qu'une conviction. Non. Non, 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 non c'est une conviction. Hein, les sociodémocrates. Euh... Encore une fois, la social-démocratie, c'est. C'est pas très historique en France, hein, c'est assez récent, c'est vraiment Europe du Nord, hein, le, la social-démocratie. C'est vraiment les sociodémocrates allemands, euh, les italiens aussi, dans leur genre. La France a une tradition du socialisme, euh, socialisme républicain, qui fait le programme commun avec les communistes, etc. C'est pas du tout la même histoire. Très européiste, oui, 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 les sociodémocrates sont très très européistes, ouais. oui. Mais du coup, oui, les sociodémocrates sont des gens qui sont euh, généralement euh, très favorables à des mesures de régulation des marchés. <coughs> euh, mais toujours dans la négociation. C'est si tu retrouves Michel Sapin qui fait un accord interprofessionnel dès qu'il arrive au pouvoir en 2012. Euh, des négociations sur les salaires, de, de trouver des compromis, d'essayer d'avancer euh, un peu moins dans une logique de rapport de force. Le rapport de force est toujours nécessaire à la négociation, mais. La social-démocratie, ça vient des pays où il faut s'allier à trois ou quatre pour gouverner. Ouais, effectivement, effectivement. Euh... Les sociaux-démocrates sont pour repousser l'âge de départ à la retraite. Ça dépend. Euh, ça dépend de comment c'est négocié. C'est-à-dire que les sociodémocrates, alors ça dépend des conditions et du contexte politique, etc. Mais les sociodémocrates sont prêts à discuter de l'âge de départ à la retraite en condition que ce soit assorti de. C'est un peu la réforme des retraites euh, euh, de Marisol Touraine dans les années, euh, dans les années 2000, 2014. Avant ça, c'était 2013. Euh, c'est euh, OK pour repousser l'âge de départ à la retraite à condition qu'on tienne en compte de la pénibilité des travaux euh, dans le. Dans la réforme, que les personnes qui ont eu des travaux pénibles toute leur vie puissent partir plus tôt, euh, etc., etc. C est, c est, c est... Si c'est conditionné, si ça apporte des avantages et si ça corrige des inégalités, on est prêt à en discuter. C'est un peu ça la posture social-démocrate. Euh... En vrai, c'est vraiment triste, je trouve. Si, si, ce qui serait vraiment triste, je trouve, c'est si on se retrouve avec les mêmes candidats au second tour qu'en 2017. Oui, alors ça, euh, je crois qu'il y avait un sondage qui donnait récemment 80% des Français ne veulent pas d'un second tour Macron-Le Pen. Donc, euh, ce que tu dis est, est effectivement assez partagé. Euh, oui, il oui, y a beaucoup de gens qui, euh, qui, euh, qui trouveraient qu'on euh, qu aura raté quelque chose si 5 ans après 2017, on se retrouve avec le même, le même scénario 5 euh, ans plus tard, quoi. Tu sens qu'on a changé d'époque, hein. c'est plus l'époque de Mitterrand-Chirac. Mitterrand-Chirac, ça, euh, ça avait du sens en 88, ça avait du sens en, 80, en 81, etc. En enfin, 80 c'était face à Giscard, c'est pas tout à fait pareil, mais. Non, les fr... je, je suis d'accord avec toi, oui, oui, les Français veulent pas d'un second tour, euh, d'un mimétisme cinq ans plus tard. Ce ne sera pas un progrès dans la démocratie. 50% des Français vont voter pour l'un ou pour l'autre, ouais. C'est Schroeder qui a repoussé l'âge de départ à la retraite en Allemagne. Il était social-démocrate. Ouais, Schroeder, c'était le... les sociaux-démocrates. Justement, c'était les réformes Schroeder du début des années 2000. Non, c'était plus tard que ça. Attends. Ouais, c'est le SPD allemand. Euh... Ouais, c'est ça, chancelier de 98 à 2005, donc c'est ça, c'est les réformes Schroeder dans ces années-là, ouais. 50% des votants, or le vote blanc est non valide, please. On va pas avoir 70 millions de votants. Alors déjà, il y a 40-45 millions de personnes inscrites sur liste électorale, donc non, il n'y aura pas 70 millions de votants. Euh, et par ailleurs, 50% des votants, ça veut dire 50% des suffrages exprimés. Donc, euh, donc voilà, tac, 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 tac. Il y a une tribune qui a été, qui a été signée. Euh, pour soutenir Jean-Luc Mélenchon. 2000 personnalités appellent à voter pour Jean-Luc Mélenchon. C'est intéressant ça, on va en parler, on va lire la tribune, etc. Euh, c'est intéressant parce qu'on le disait dans un stream il y a, la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus, euh, c'est plus à la mode en France les personnalités du show business, du cinéma, de la chanson, euh, etc., qui euh, soutiennent les candidats à l'élection présidentielle. Il y a un recul euh, de l'association entre, le, entre les personnalités de la culture. Et, euh, et le soutien à des personnalités publiques. Et là, visiblement, cette tribune vient faire mentir euh, ce constat, puisque 2000 personnalités, dans une campagne où les stars ont peu brillé dans leur soutien aux candidats, c'est ce que je disais, plus de 2000 célébrités, dont Blanche Gardin, Corinne Maziero, Annie de Perret, Bruno Solo et Romane Boringer, annoncent soutenir le candidat de l'Union populaire. Une fenêtre trouve dans cet environnement politique irrespirable. L'air semble plus léger. À quelques jours du premier tour, 2000 artistes, comédiens, écrivains et cinéastes appellent à voter pour Jean-Luc Mélenchon dans une tribune commune. On retrouve des figures comme Bruno Solo, Annie Dupéret, Romane Boranger, Corinne Maziro, Caroline Dehasse, sande Severino ou Catherine Corsini. Merci Chenille Zanzin pour ton Prime, merci beaucoup. Mais aussi des habitués à l'image d'Annie Ernaux, Yvan Le Bolloc et Robert Guédigan, euh, qui avait déjà annoncé soutenir le candidat de l'Union Populaire. L'appel, publié sur une plateforme dédiée appelée Ce sera Mélenchon, est accessible et peut être signé par tous. Si l'humoriste Blanche Gardien soutient pour la première fois un candidat à la présidentielle, elle n'en est pas à sa première prise de position politique. En 2019, elle refusait la décoration de chevalier des arts et des lettres du gouvernement d'Emmanuel Macron, lui reprochant de ne pas tout faire pour sortir les personnes sans domicile de la rue. Cette année, les artistes se sont fait discrets dans la campagne. C'était jusque-là une tradition qui a perdu de sa force à partir de 2012. L'exemple le plus traumatisant est sans doute celui de Fodel, qui, après avoir soutenu Sarkozy en 2007, a vu son public se détourner de lui. Ah oui, Fodel, ça lui a coûté très très cher en 2007, son soutien à Sarko. Euh... Après 800 universitaires du week-end dernier. Et 600 acteurs de l'éducation nationale et les 160 économistes, c'est un nouvel appel de la société civile bienvenue pour Jean-Luc Mélenchon. Les signataires expliquent avoir pendant longtemps craint de désespérer dans une élection présidentielle qui semblait écrite d'avance et, et dans laquelle seule la droite et l'extrême droite occupaient l'espace médiatique. Une situation qui aurait eu pour conséquence de laisser la gauche, les questions climatiques et les enjeux d'égalité loin, très loin derrière. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est donné entre 15 et 16% d'intention de vote. Marine Le Pen et Emmanuel Macron le devancent de quelques points. La qualification du candidat insoumis au second tour est possible et ses soutiens le répètent sur tous les tons depuis plusieurs semaines. C'est le fameux trou de souris. Trou de souris qui avait été théorisé par Jean-Luc Mélenchon au mois de janvier dernier, si je me souviens bien, où il disait euh, ⁇ Il y a un scénario dans lequel on réussit à se qualifier au second tour, mais c'est un trou de souris, il ne faut pas louper le coche, sinon on se prend le mur. ⁇ alors ces artistes décident de s'engager, car souligne-t-il, si la gauche est au second tour, l'extrême droite n'y est pas. Là, on a un exemple de bloc HTML. On remercie euh, Libération donc de nous montrer par exemple ce que c'est qu'un bloc HTML pour celles et ceux d'entre vous qui ne le savaient pas. N'hésitez pas à vous abonner à Libération, ils vous montreront. Si jean luc Mélenchon est qualifié et donc participe au débat d'entre-deux tours, les sujets comme la retraite à 60 ans, le SMIC à 1400 euros, la planification écologique et la fin des violences sexuelles seront mis sur la table. juge les personnalités signataires, pour qui, avec la gauche au second tour, il devient imaginable de gagner l'élection présidentielle. Un état d'esprit qui tranche avec le défaitisme affiché chez beaucoup d'électeurs de gauche. Selon les 2000 personnalités, chacun trouvera les bonnes raisons de dire Jean-Luc Mélenchon n'est pas le candidat parfait. C'est vrai, admettent il avant de reconnaître que c'est aujourd'hui la meilleure carte dont nous disposons pour faire bifurquer le récit euh, qu'on qu nous écrit depuis plusieurs mois, et c'est sans doute la seule. C'est ça qui est intéressant, c'est que... Alors déjà, ils reprennent le mot bifurcation qui est cher à Jean-Luc Mélenchon, ça lui fera plaisir. Euh... Mais... Euh... Non, surtout ce qui est intéressant, c'est que, que justement, ces différentes tribunes de soutien qui viennent soutenir Jean-Luc Mélenchon dans cette fin de campagne, ça sert à lutter contre la morosité, justement, des électorats euh, des autres candidats de la gauche, à l'exception peut-être de Fabien Roussel, qui est dans une dynamique spécifique et particulière à, à son parti, à son histoire politique. Mais euh, pour les sociaux-démocrates qui voient une partie se barrer chez Macron et le reste rester. Chez une Anne Hidalgo qui, qui, qui fait pas rêver. Euh, un Yannick Jadot qui ne parvient pas à, à crever l'écran, à transpercer le truc, alors même que l'actualité devrait le porter beaucoup plus que ça. Il n'y arrive pas, c'est Jean-Luc Mélenchon qui recueille les, qui recueille les, les lauriers. Euh, ces tribunes, ça vient justement, où ouais, est-ce que je vous disais, faire mentir, faire mentir l'espèce de, 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 de marasme ambiant dans lequel se trouve, la, se trouve la campagne et venir valider du coup la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et ça vient donc du coup, il y a cette tribune-là, donc c'est 2000 personnalités euh, qui appellent, et c'est une tribune qui fait suite à d'autres tribunes. Il y en avait une avec 800 universitaires, une autre avec 600 acteurs de l'éducation nationale, une sœur avec une autre avec 160 économistes. Bref, ça fait beaucoup de monde. Ces tribunes-là ont jamais... Pff, comment dire Ça a jamais été transcendant, les tribunes de personnalités... Euh... Ça a jamais fait changer des votes. Ça peut dire quelque chose de l'air du temps, et c'est pour ça que c'est pour ça que je l'analyse et c'est comme ça que, que j'en tiens compte. C'est pas quelque chose qui est susceptible de faire basculer des votes du jour au lendemain. Genre, c'est pas parce que Bruno, Sono vote, Bruno Solo vote pour quelqu'un et que j'aime bien les films où il y a Bruno Solo que je vais voter pour cette personne. Ça ne marche pas comme ça. Les, les dynamiques de vote sont pas comme ça. En revanche, ça peut dire quelque chose de ouais, de l'air du temps, de l'ambiance, de l'atmosphère, de l'acceptabilité, voire même de la désirabilité d'un candidat. Mais pour moi, ça s'arrête à ça. Le seul argument qui va être retenu, c'est peut-être le seul moyen de ne pas encore manger Macron-Le Pen. Se manger un Macron-Le Pen. Oui, ben justement, mais c'est ce qu'ils disent dans la tribune. C'est dire que selon eux, le vote Mélenchon, ce qui permettrait à Jean-Luc Mélenchon de se qualifier au second tour de l'élection présidentielle, c'est la seule manière crédible, c'est le principe du vote utile, hein, vous l'aurez compris, c'est la seule manière crédible d'empêcher euh, le scénario écrit d'avance et rejeté par 80% des Français, c'est-à-dire le second tour Macron-Le Pen. Dans mon entourage, il y a beaucoup d'indécis qui penchent à gauche et ce genre de tribune a l'avantage de pousser vers un genre de consensus. Ouais, c'est ça. Oui, oui, non, je suis d'accord avec toi. Ça, vi ça vient soutenir, étayer, on va dire. Ça vient étayer des convictions qui sont imparfaites. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes dans la tribune c'est que non, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas parfait. On n'est pas militant, c'est pas notre candidat de cœur. Euh, on ne mettra sûrement pas euh, JLM 2022 dans, le, dans notre tweet name. On n'est pas comme ça. Mais pour autant, euh, c'est un vote de raison, c'est un choix d'alliance, c'est un choix de vote utile, quoi. Euh... Booba, ouais. Alors j'ai vu Booba sur Twitter qui avait euh, qui avait euh, rejoint euh, Eric Zemmour. Enfin sur un point en particulier. Euh, pareil. Est-ce que ça va faire voter massivement des votes Je ne... Enfin basculer massivement des votes Je ne crois pas. Une union de la gauche en une semaine. Ça dépend ce que tu appelles une union de la gauche. Hein. Bouba Zemmour, c'est inattendu. Ouais, t'as toujours des ralliements comme ça qui peuvent paraître chelous à un moment donné. Hein. C'était Johnny Hallyday qui soutient euh, euh, Nicolas Sarkozy. Euh, bon, bah, tu te dis oui, bah, Johnny Hallyday, c'est quand, euh, euh, quand même un exilé fiscal euh, qui vivait en Belgique pour pas payer d'impôts en France. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté. Euh, assez libéral dans l'idée, et puis en même temps son public est quand même très populaire, euh, plutôt euh, plutôt, euh, plutôt France des Gilets jaunes que, que France de Neuilly-sur-Seine. Donc ça a pu surprendre plein de gens. Faudel, pareil, en 2007. Doc Gineco, ouais, qui avait soutenu Nicolas Sarkozy aussi. Mais dans un contexte très particulier, parce que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, avait fait quand même une campagne sur les banlieues, les jeunes de banlieue, l'insécurité, l'immigration, l'islam, etc. Enfin, ça tournait un peu en boucle. Et du coup, Doc Gineco, euh, venait participer à. Enfin, essayer hein, de, de, de recentrer un peu ça. Ça n'avait pas été pris très au sérieux, hein, je vous rassure. Maître Gims c'est Valérie Pécresse. Ouais, Maître Gims c'est Valérie Pécresse, là aussi, <laughs> ça sent un peu le clientélisme euh, avec la région île de france qui soutient euh, les projets de, de Maître Gims. Renault qui a voté Fillon. Ouais. Renault, putain, c'est marrant euh, récemment, pardon, je fais une parenthèse, mais récemment, je me suis regardé dans mon lit tranquillement, euh, Germinal, le film Germinal de 1995 avec euh, Gérard Depardieu dans le rôle euh, dans un des rôles principaux et, et surtout euh, Renault. C'est Renault qui donne la réplique à Gérard Depardieu. <laughs> je l'avais pas vu ce film encore. Il est pas mal Il est pas mal, c'est un grand Depardieu, hein, c'est un excellent Depardieu. Mais euh, du coup ça fait, marrant, ça fait marrant quand même de voir Renault, qui est un historique de la gauche mais un turbo historique de la gauche qui petit à petit euh, bon, <laughs> il a fini par euh, il a fini par voter Fillon en 2017 euh, sur fond de Je ne voterai plus jamais socialiste de ma vie alors qu'il est soutenu Mitterrand en 88 Tonton laisse pas béton, c'était Renaud qui avait chanté ça C'était 93 le film Ah pardon, 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 93 Euh Donc, euh, donc il, avait voté, euh, il avait voté Macron en 2017. Non, il avait voté Fillon, je crois. Je sais plus. Bon, et ensuite, il nous avait fait une chanson Connard de virus. Euh, où là, il était, il était apparu au visage de tout le monde que Renault, il fallait qu'il arrête là. <laughs> Renault, il était communiste avant de soutenir Mitterrand. Ouais, bien sûr. Bah, Mitterrand en euh, 81, oui. Programme commun, tout ça. Trump et Kenny West aussi, ouais. Ouais, 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 ouais Kenny West. Mais après, encore une fois, c'est la tentation fréquente chez beaucoup d'artistes d'être euh, iconoclaste. Donc, de ne pas aller dans le sens du vent, de, de, de rester euh, hors système. Euh, et donc de faire exprès et de se délecter, de prendre le contre-pied de ce qui est attendu comme un peu une évidence. Quoi. Euh, bon, en général, les artistes qui font ça, c'est plutôt des gens en fin de carrière qui ont envie de rester jeunes et, et, euh, et impétueux comme ils l'étaient quand ils étaient plus jeunes. Donc tu vois, ouais, typiquement Doc Gineco, qui, 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 qui a représenté une génération du rap français qui était très anti-système, très. Euh, qui faisait peur aux vieilles dames, quoi. Qui se retrouvent à soutenir Nicolas Sarkozy, c'est ça montre une certaine évolution. Dans la campagne américaine, il y a aussi une grosse dimension religieuse qui explique aussi West et Trump. Ouais, oui, 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 Kanye West, oui, oui qui, est, qui est born again d'ailleurs, je crois. Oui, oui donc il y, y, y a tout un truc mystique aussi de, de la part de Kanye West. Et puis par ailleurs, aux États-Unis, la prise de position publique des stars Vis-à-vis -vis des, des candidats aux élections, c'est beaucoup plus euh, institutionnalisé et habituel qu'en France. Francis Lalanne. Francis Lalanne qui nous propose un coup d'état militaire, ça aussi. Grand moment de, de, <laughs> de déperdition d'un de <laughs> artiste. Kenny West est bipolaire aussi, il ne faut pas oublier. Ouais, bon, bah moi bon, aussi, hein, faut pas... enfin, tu vois, <laughs> ça n'excuse rien. La séparation religion-politique aux USA n'est clairement pas aussi forte qu'en France. Oui, oui, non, il y a la séparation religion-État, euh, religion mais là, je parle de show business avec les sportifs, les, les... les stars, etc. En France. Euh... Non mais si, faut pas, faut pas non plus en France il y a une tradition historique, donc a un peu perdu de sa vigueur, c'est vrai, ces, dernières, ces dix dernières années, mais il y a quand même une tradition historique d'engagement des artistes, des personnalités dans le paysage public. Euh, donc ouais. Euh, hop, 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 hop. Le dernier article que je voulais lire avec vous les amis, c'est l'article euh, qui récapépète ce qu'a dit Emmanuel Macron sur France Inter. Alors Emmanuel Macron était l'invité de France Inter dans la matinale ce matin, je n'ai pas pu l'écouter euh, parce que j'en ai écouté qu'une partie mais après j'ai dû partir bosser, etc. Donc un peu compliqué. Euh, et du coup je suis très content parce que... Euh parce qu'il euh, a dit beaucoup de choses hein, dans ces interviews Transinter. Comme encore une fois, la campagne d'Emmanuel Macron, elle est tardive et elle est assez avare. On ne va pas se mentir. Euh, un seul grand meeting, des déplacements pas très intéressants et donc de rares interviews. Euh, moi, j'essaie je, de suivre de près les interviews. Et donc, du coup, je vais essayer d'écouter ce qu'il. Je vais essayer de, de me recaler sur ce qu'il a dit pour qu'on se le mette bien dans le crâne et qu'on le garde en mémoire pour toute, le, toute la suite de la semaine. Euh, après un meeting à la défense samedi, Emmanuel Macron était interrogé lors de la matinale de France Inter ce lundi, euh, à l'entame de cette euh, dernière semaine de campagne avant le premier tour de l'élection présidentielle dimanche. Euh, ouais, avant ça, je fais juste une parenthèse. J'ai regardé le meeting d'Emmanuel de, de, Macron euh, euh, à la défense euh, dimanche dernier. Euh, encore une fois, un j'ai retrouvé un peu les meetings de 2017. À l'époque, j'avais fait pas mal de commentaires en direct de meeting. Qu'est-ce qu'on s'était fait chier à l'époque Dans le genre, je dis pas grand-chose, mais je le dis avec beaucoup d'emphase. C'était quand, euh, quand même assez pénible. On a retrouvé un petit peu de ça, mais c'est quand même marrant de retrouver un Emmanuel Macron candidat à une élection, alors qu'entre-temps, il a un bilan. Donc, <laughs> la manière de présenter les choses n'est pas la même. Il y a forcément des trucs qu'il dit. Que tu ne peux pas t'empêcher de mettre en miroir de ce qu'il a fait pendant ces 5 ans et de te dire parfois qu'il y a un fossé qui est énorme. À d'autres moments, tu dis Ok, j'entends, je vois ce que tu veux dire, etc., je vois où tu vas, mais il y en a d'autres, je me disais Mais c'est pas. enfin Oui, non, mais d'accord, mais tu peux pas dire ça. Enfin, pas après, pas après ces 5 ans, pas après ce qui s'est passé. À l'inverse, il a fait des appels du pied parfois assez évident, sur, 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 des, sur des dossiers particuliers. Euh, et puis, j'ai quand même noté un meeting à la Défense où Emmanuel Macron, tu sens. Et c'est ce que disait l'article qu'on avait lu tout à l'heure. On sent un Emmanuel Macron qui commence à jouer lui aussi une campagne de second tour et qui fait des appels du pied aux électeurs de gauche en leur disant Ne vous démobilisez pas, j'ai besoin de vous au second tour pour gagner face à Marine Le Pen, en gros. Euh, donc c'est pour ça qu'il en a fait des caisses sur le, le handicap, l'autisme, les mères célibataires, euh, euh, la PMA et tout. C'est est, est toujours le en même temps d'Emmanuel Macron, puisqu'il a, a quand même parlé de la retraite à 65 ans. Euh. Donc, euh, voilà. Donc on va voir comment chez Inter il s'est défendu. Merci Nirta pour ton prime, merci beaucoup. Euh, samedi, sa première heure de discours à l'aréna de la défense était orientée à gauche toute. Oui voilà ce que je vous disais. Allant même jusqu'à piquer les éléments de langage du nouveau parti en anticapitaliste. Oui Emmanuel Macron a dit, nos vies valent plus que leurs profits à propos des EHPAD je crois, euh, suite au scandale Orpéa il euh, faut savoir pour les plus jeunes d'entre vous qui ne le savaient pas, c'est que nos vies valent plus que leur profit est un vieux slogan du NPA d'Olivier Besancenot. Euh, voilà, habituel, il y avait des affiches partout dans Paris nos vies valent plus que leur profit, c'était le, leur slogan de campagne en 2007-2012. Ça va peut-être continuer après. Euh, donc voilà, donc Emmanuel Macron a dit ça, euh, ce qui a fait tiquer pas mal de monde parce que c'est un peu une marque déposée, quoi. <laughs> Donc voilà, ce lundi matin, rebelote. Vous savez, non mais encore une fois, euh, dans le paysage politique, on a toujours des trucs qui sont marqués comme ça. Il y, y a des mots, il y a des termes, il y a des slogans qui sont marqués, habitués, euh, du passé faisons table rase. C'est un gros clin d'œil au Parti communiste et à l'international communiste. Euh, bifurcation est un mot très euh, mélanchonien. En même temps, est une notion très macronienne. Euh, reconquête, c'est le nom du parti... Euh, euh, d'Eric Zemmour euh, remplacement je vous en parle même pas grand remplacement encore plus euh, submersion euh, migratoire c'est très Marine Le Pen vous voyez voilà ch chacun des candidats a, chacun des camps politiques même parfois a quand même des, des marques euh, déposées quoi, ben voyons oui voilà notre projet ouais notre projet c'est très euh, macronien euh, sous les pavés la plage euh, c'est 68 arts ça hein. Euh, donc voilà quoi. Alors, samedi, sa première heure de discours à l'Arena à la Défense était très orientée à gauche toute alors même jusqu'à piquer les éléments de langage du nouveau parti anticapitaliste. Ce lundi matin, rebelote, Emmanuel Macron, invité de la matinale de France Inter, a fait des appels du pied aux profs. Et plus largement, le candidat président a balayé les sujets brûlants de cette dernière semaine de campagne avant le premier tour de la présidentielle. Passage en revue des moments clés de l'interview. Sur l'affaire McKinsey. Ah. Interrogé sur le recours de l'État français au cabinet de conseil privé, le président candidat a tant bien que mal essayé de se sortir de ce débat brûlant de fin de campagne. Il souligne d'abord que le président de la République n'intervient pas dans ces contrats. Ils sont passés dans le cadre de marchés publics. Emmanuel Macron avance ensuite trois axes de défense. Ses dépenses ont baissé en 2022. Elles étaient beaucoup plus importantes il y a dix ans et on consomme beaucoup moins que nos voisins. Toutefois, le chef de l'État a fini par admettre que si certains contrats ont ont été mal passés, il faudra qu'ils soient sanctionnés par des parlementaires ou les juges. Donc les parlementaires dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire du Sénat qui a rendu son rapport, ou les juges, c'est le fameux qu'ils aillent au pénal. Donc s'il y a des irrégularités ou des illégalités, bah, c'est un juge qui doit le dire. Et de marteler, s'il y a des abus, il faut qu'ils soient sanctionnés. Ok, donc ça c'est la, la défense d'Emmanuel Macron. C'est pas le président de la République qui s'en occupe, c'est le gouvernement. Oui, enfin bon, avec cet argument là, tu peux quand même balayer quand même pas mal de sujets. Donc c'est un peu facile. Ces dépenses ont baissé en 2022, elles étaient beaucoup plus importantes il y a 10 ans et on consomme beaucoup moins que nos voisins. Alors, par rapport à il y a 10 ans, c'est possible. En même temps, il y a 10 ans, c'était post-RGPP Nicolas Sarkozy, donc c'est sûr. Oui, c'est certain, il y avait un fort recours au cabinet de conseil. Euh, mais quand tu dis qu'il a baissé en 2022, pas par rapport à 2021, on a pratiquement doublé, je crois, le, le montant total des contrats de, avec le Covid. Donc bon. Sur la Russie. Au 40e jour de l'invasion russe, et alors que les réactions internationales de colère se multiplient au lendemain de la découverte d'innombrables cadavres de civils dans, les villes, dans le sillage du retrait de l'armée russe de la région de Kiev, Emmanuel Macron a fait savoir ce lundi sur France Inter qu'il était favorable à ce qu'il y ait un nouveau train de sanctions. On ne peut pas laisser passer. On ne peut pas laisser passer. Avec ce qui est en train de se passer à Mariupol, il faut qu'on envoie le signal que c'est notre dignité collective et nos valeurs qu'il qu faut défendre. Ah, ça, c'est les Français, ça indiquant que tout pointe vers les crimes commis, que tout pointe vers des crimes commis par l'armée de Vladimir Poutine, notamment à Boutcha, il conclut qu'il n'y aura pas de paix sans justice, euh, pas de paix sans justice, pas de justice sans paix, non, paix et justice, c'est pas le truc du collectif Adama ça <laughs> euh, D'accord, bon, il a pas dit grand chose quoi. Ouais, bon, pas fou. Enfin oui, oui, non, mais oui, oui, d'accord, enfin, rien de nouveau en tout cas. Ce que je voulais dire, c'est rien de nouveau. Côté politique intérieure, Emmanuel Macron a poursuivi sa défense d'une réforme des retraites pour que l'âge de départ soit calculé à 65 ans. Assurant, tous ceux qui disent qu'on peut maintenir les choses comme elles sont mentent. Selon lui, le système est déficitaire et c'est ce qui le pousse à contraindre les Français à travailler plus longtemps. Le président de la République a toutefois promis qu'il n'abandonnerait pas sa grande réforme et qu'il veut faire dès le début du nouveau mandat. Ok Donc dans les mois qui viennent, s'il est réélu. En 2017, il promettait non pas de repousser l'âge de départ à la retraite, mais de mettre en place un système universel. En 2019, le Premier ministre Édouard Philippe plaidait l'équilibre du système, glissant dans un projet un âge pivot qui ressemblait à un âge légal de départ à la retraite déguisé. Le chef de l'État, confronté à un mouvement de grève monstre, puis à la pandémie de Covid-19, finissait par renoncer. Aujourd'hui, Macron promet toujours, le système universel reste le meilleur. Ok, alors ça c'était la question que je me posais, bordel de merde. Est-ce qu'Emmanuel Macron veut le retour du système à point, le fameux système universel Indépendamment de la question de l'âge pivot ou de l'âge de départ à la retraite, l'âge légal, euh, visiblement Emmanuel Macron semble avoir abandonné le, la notion d'âge pivot. Donc le, le caractère paramétrique dont on avait parlé, apparemment celui-là il est abandonné. Maintenant on part bien sur un système de. Donc est-ce qu'il y aura toujours une, une, une décote et une surcote en fonction de ton âge de départ Je ne sais pas. C'était ça le principe de l'âge pivot. Mais en tout cas, la question du, du, du système universel, ça apparemment s'est maintenu. Donc la suppression des régimes spéciaux, euh, mais avec des modes de calcul. Alors il a aussi dit, je l'ai entendu, mais est-ce qu'il l'avait dit sur Inter Je ne suis pas sûr. Il a aussi dit qu'il voulait mieux tenir compte de la pénibilité. D'ailleurs, il a prononcé la notion de pénibilité. C'est marrant quand même. Emmanuel Macron sur, sur Inter, il prononce la, le, la notion de pénibilité en parlant du travail, alors que dans d'autres médias par le passé, il nous avait dit je n'aime pas beaucoup le, la notion de pénibilité. Ça laisse entendre que le travail serait pénible. Comme quoi Bon. Ouais, ça reste flou. Je suis d'accord. Ouais, il dit ni oui ni non quoi. Il dit, oui, il dit ni oui ni non. Il est, il est très flou, mais comme en 2017, hein, c'est dingue. Le président de la République. Enfin, tu me diras, c'est pas le seul. Il y a d'autres candidats, candidats qui sont très flous sur des propositions, qui disent on verra. Si je suis élu, on travaillera, on réfléchira. Il nous faudra trouver les voies et moyens. Ouais, très bien. Euh, le président de la République a également appelé. Alors sur la Corse, le président de la République a également appelé à un retour au calme en Corse après une nouvelle journée de violence. Des violences qu'il juge inacceptables. Lille connaissait depuis quelques jours un peu de répit alors qu'elle est secouée par une vague de contestation en réaction à l'agression mortelle d'Ivan Colonna le 2 mars à la prison d'Arles. Il a par ailleurs durci le ton par rapport au 15 mars lors de, lorsque son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin offrait en guise de main tendue aux contestataires corses cette déclaration ⁇ Nous sommes prêts à aller jusqu'à l'autonomie ⁇ Alors qu'est-ce qu'il a dit Macron Il a dit ⁇ L'autonomie n'est pas l'indépendance, ce n'est pas un objectif en soi ⁇ Oui, donc il a, il, a, il a modéré, il a tempéré a ainsi averti Emmanuel Macron. Un retour à son discours de 2018 beaucoup plus ferme à l'égard des dirigeants nationalistes que celui de la campagne de 2017, et qui avait précisément corsé ses relations avec la majorité insulaire. Corsé MDR, <applause> libération number one. Euh... D'accord. Alors est-ce que ça veut dire du coup que... Lorsque Gérald Darmanin a dit on, sait, on est prêt à aller jusqu'à l'autonomie, c'était pour calmer les manifestants, mais que comme les manifestants se sont pas calmés, Emmanuel Macron fait demi-tour en disant attendez 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 quand on dit autonomie, on veut bien discuter des compétences, mais on va pas aller jusqu'à l'indépendance, sûrement pas. Hmm. Ça sent un peu le ouais ça sent un peu le le rétrofit. Hein. Hmm. La notion de pénibilité est très floue aussi, pas évident de proposer des réglementations. Bah pourtant, euh, le compte pénibilité, il avait été créé avant d'être aboli, euh, il était assez clair. Euh... Si, 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 ça peut s'objectiver ça peut, ça peut, ça peut la pénibilité d'un travail, hein, le fait de porter des charges lourdes, d'utiliser son corps, euh, et dans quelle mesure, les horaires décalés, les charges de travail, ça se mesure, hein, ça, ça s'objectivise. Hein. Euh, ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des trous dans la raquette, des systèmes d'optimisation, etc. Bien sûr. Mais bon, quand même. Euh... Sur l'extrême droite. Un aveu d'impuissance. Sur France Inter, ce lundi matin, le chef d'État a été interrogé sur la montée de l'extrême droite. Je n'ai pas réussi à l'endiguer, concède-t-il. C'est moins qu'on puisse dire. Alors que la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen est donnée autour de 20% dans les sondages pour le premier tour de la présidentielle et à 47% au second. Selon la dernière étude de l'Ipsos Soprasteria. Si l'actuel locataire de l'Elysée veut bien prendre la part qui est la sienne dans la progression de l'extrême droite, il n'entend pas pour autant faire de mea culpa. Je sais qu'on adore toujours faire dire à un président de la République qu'il a des échecs. Après, je pense que je n'ai pas, durant ces cinq années, essayé d'esquiver les sujets. Selon le président candidat, nos sociétés font face à un grand dérèglement sanitaire, écologique, des consciences liées aux réseaux sociaux, etc. Oui, alors le truc des réseaux sociaux, ça, c'est assez central aussi. Euh, Emmanuel Macron, qui a, qui a une relation aux réseaux sociaux et à Internet d'une manière générale, qui est très, très, très axé dans la défense, dans la défiance, surtout. Après, on ne peut pas lui en vouloir, c'est ni de sa génération, ni de sa culture. Il ne sait pas ce que c'est qu'Internet. Euh, il n'est pas, pas client à titre personnel d'Internet et des réseaux sociaux. Donc, il n'en voit que les mauvais côtés, les fake news, le cyberharcèlement, les hackers russes, etc. Euh, donc voilà, il n'est pas en train de placer des tuiles à l'heure où je vous parle. <laughs> Tout ça crée dans nos sociétés des peurs, avance Macron. Ceux qui jouent avec les peurs montent, et donc je n'ai pas réussi à l'endiguer. Ok. Sur le front de l'apprentissage, Emmanuel Macron interrompt les journalistes de France Inter qui le questionnent pour tordre le cou à une fake news dont il accuse le candidat insoumis. Lors de son meeting à Toulouse, Jean-Luc Mélenchon a assuré que le président de la République voulait envoyer un gamin de 12 ans en apprentissage. Je n'ai jamais voulu mettre l'apprentissage à 12 ans. Ce que je veux, c'est que des professionnels puissent venir expliquer leur métier dans les collèges. Et je veux aussi faire une grande réforme du lycée professionnel rétorque le président candidat. Mais le fait notable est surtout qu'il cite nommément un adversaire, rarissime pour le chef de l'État au cours de cette campagne. Et ça, je suis d'accord avec Libé. Vous voyez cette fin d'article Voilà. Ça, c'est Libération qui vous fait un gros clin d'œil. Bien gras. Emmanuel Macron cite nommément Jean-Luc Mélenchon dans une interview à France Inter. Ce n'est pas pour rien. Emmanuel Macron est quelqu'un de très intelligent. Il sait à quelle radio il est. Il sait qu'il est chez France Inter. Il sait qu'il est écouté par beaucoup d'électeurs de gauche tentés par, par Jean-Luc Mélenchon. On sent un Emmanuel Macron qui semble souhaiter faire de Jean-Luc Mélenchon un adversaire à sa hauteur pour un second tour. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Emmanuel Macron commence à avoir peur de Marine Le Pen au second tour, qui est donné à 47, euh, voire 48,5 face à lui au second tour. Il se dit qu'une victoire serait beaucoup plus facile face à Jean-Luc Mélenchon que face à Marine Le Pen. <laughs> Bon bref j'ai pas raté grand chose dans cette matinale de ce que je comprends enfin pas raté grand chose encore une fois je vous le redis hein, moi c'est mon métier de suivre l'actualité politique donc forcément j'ai toujours l'impression d'entendre les mêmes choses et qu'il n'y a pas grand chose qui avance mais il y a peut-être des gens qui m'écoutent et pour qui enfin qui viennent de découvrir ces histoires là mais Est-ce qu'il y a moyen qu'il ne soit pas au second tour Emmanuel Macron Il y a toujours moyen, encore une fois, mais c'est peu probable. C'est peu probable si vous regardez euh, les dynamiques sur le long terme des sondages. Même s'il est dans une dynamique légèrement baissière depuis quelques jours, euh, Emmanuel Macron semble euh, se maintenir euh, en candidat en tête au premier tour. Donc la probabilité de chance qu'il n'arrive pas au second tour est faible. À quand la review des clips de campagne Demain, 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 demain. Demain, on se fait la review des clips de campagne. Euh, pour rappel, Mélenchon était le seul annoncé gagnant dans les sondages avant de Macron au second tour en 2017. Ah ouais Je me souviens pas de ça. Ouais, remarque, ça, ouais, remarque Fillon, il euh, y avait peu de chance. Vu les reports. Ouais, mais la donne a changé, là, c'est plus du tout comparable. « Les sondages politiques sont bidons, je connais personne qui a répondu. » Ouais, moi je connais personne qui allait allé sur la Lune. Hein. « euh, Tu penses quoi du coup de cette affaire de travail à 12 ans ?» J'en pense rien du tout. <laughs> J'en pense rien du tout. Je, 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 je pense qu'Emmanuel Macron, au fond de lui, trouverait ça très bien que des collégiens découvrent des métiers manuels dans le cadre d'une orientation pré-professionnelle, etc., euh, mais que, mais que je, je, non, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron souhaite envoyer des enfants de 12 ans au, à l'usine. Merci Sonner euh, Mais je crois que, je crois que Jean-Luc Mélenchon euh, est dans son rôle lorsqu'il met en garde contre la tentation de pousser des enfants issus de classes populaires vers le travail hyper tôt, euh, entachant leur euh, leur euh, leur potentiel émancipation sociale par des études longues. Une petite polémique à deux balles. Non, alors, encore une fois, c'est derrière la polémique se trouve un enjeu très politique de savoir la place de l'enseignement professionnel, euh, la quantité de jeunes qui ont vocation à y travailler. Au demeurant, euh, Emmanuel Macron, mais ce n'est pas le seul, il n'a pas tort quand il dit qu'on ne peut pas vouloir réindustrialiser la France tout en disant aux jeunes qu'il ne faut pas faire de métier manuel. Euh, il ne faut pas travailler dans l'industrie, etc. Vous voyez De la même manière, et c'est exactement pareil sur la question de l'agriculture, on ne peut pas dire qu'il faut une agriculture plus biologique à taille humaine et pas intensive si on ne forme pas beaucoup plus d'agriculteurs ou des métiers de l'alimentation la, de en général. L'aventure du vivant, tout ça, tout ça, vous voyez les pubs passés comme moi. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est pas, pas grave de le dire. Donc oui, il faut revaloriser les métiers professionnels, enfin les formations professionnalisantes et professionnelles, euh, mais pas au, pas au détriment de... Des passerelles, de la capacité à, à évoluer dans sa carrière et dans son... C'est tout le problème de l'orientation en France. Hein. Non seulement elle est trop tôt, mais surtout elle est trop définitive. À la Mitterrand, Apologie du Bac plus 5. Oui, oui, on peut toujours ramener à une époque où on disait euh, il faut toute une classe d'âge avec le baccalauréat, mais surtout il faut toute une classe d'âge avec un bac plus 5, tout le monde à l'université, etc. Encore une fois, les années 70-80, enfin je veux dire à l'époque on théorisait la France désindustrialisée quand même, hein, la France sans usine. Euh, on a un peu changé d'époque. Donc les métiers du technique sont très importants à revaloriser. Mais quand je dis revaloriser, c'est pas juste donner des formations de qualité, hein, c'est aussi, aussi revaloriser les rémunérations. Il ne faut pas s'étonner que les jeunes se, se, ne se dirigent pas en courant vers les métiers de, de l'alimentation euh, quand euh, un agriculteur qui se, qui, se, qui se suicide tous les cinq jours. Quoi. Si on veut tenir les engagements de l'accord de Paris, c'est 500 000 agriculteurs qu'il manquent. On a intérêt à, former, à se former à la chaîne. 500 000 agriculteurs, vous vous rendez compte Donc très bien, moi je, moi je suis pour. Mais bon, il faudrait quand même que les métiers agricoles soient attrayants, et quand je dis attrayants, c'est que le cadre de vie soit de qualité et que, et que, et que ça rapporte du pognon. Dans plein de pays, l'apprentissage n'est pas antinomique d'études longues. Non mais en France non plus, l'apprentissage, c'est pas antinomique d'études longues. Pas non, tu veux parler de la formation professionnelle, je suppose. Ou de la Ouais. L'orientation en France est trop définitive parce que notre système de RH a 20 ans de retard sur la réalité du marché du travail. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. En France, il y a une survalorisation du diplôme dans les parcours RH. C'est complètement, complètement débile. Merci Winter Dream pour ton resub. Mes parents sont agriculteurs et clairement ils sont contents qu'on ne veuille pas reprendre leur ferme avec mes frères et sœurs. M'étonne pas, malheureusement. Augmenter le salaire des agriculteurs risque de diminuer le pouvoir d'achat, donc les candidats en parlent peu. Augmenter le salaire des agriculteurs risque de, de, de diminuer le pouvoir d'achat. De qui Des agriculteurs Non. Des gens Non plus. Il faut une meilleure répartition du pognon dans la chaîne alimentaire. Ça c'est sûr. <laughs> Euh, je vais le dire autrement, un peu moins de pognon pour Michel-Édouard Leclerc, un peu plus de pognon pour Michel l'agriculteur. Euh 15 ans d'expérience dans l'informatique, je change de boîte, on me demande encore une copie de mon master. Putain, c'est dingue. <laughs> J'en s'engage. C'est du communisme. Euh, c'est du communisme si vous voulez, mais c'est à peu près mot à mot ce que dit aussi le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. <laughs> Qu'il est venu dire sur le plateau de Baxi, je vous rappelle. Donc euh, voilà. Il hein. n'y <laughs> a rien de révolutionnaire. Hein vous souvenez, la politique agricole commune, tout ça, les négociations, on en avait parlé, la loi Egalim, 1 et 2. Euh... Le problème de l'agriculture, c'est le constant obligation d'investissement qui nécessite de faire des prêts, c'est les banques qui se gavent sur l'agriculture. Oui, on a, on, a, on a un modèle de développement agricole qui, historiquement, euh, s'est beaucoup fait euh, sur la question de l'investissement et donc de l'endettement des, des agriculteurs eux-mêmes, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça n'empêche ça pas le gouvernement d'agir. Hein. 20 ans que je travaille dans l'informatique, on me demande encore ma mention au bac. <laughs> Merde. Merci Ludo Clem qui offre 10 subs au chat. Merci beaucoup Ludo Clem, c'est super généreux. Merci à toi. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup Ludo Clem. Euh, donc voilà, écoutez, je crois que j'ai lu tous les articles que j'avais mis de côté pour aujourd'hui. Ouais, 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 ouais j'ai tout lu. Euh, j'ai tout lu, on peut continuer à discuter tranquillement. Et demain, on recommence le même exercice. Alors demain, on va regarder les clips des candidats, si ça vous va. Désolé si t'avances, t'as déjà répondu à la question, mais est-ce qu'il y a un live, une émission spéciale est prévue pour le premier tour Oui, je ferai une soirée électorale ici, euh, chez moi, tranquillement. J'ai les droits de diffusion de BFM TV euh, que j'ai obtenus. Et, euh, et donc à 20h pile, on pourra mettre BFM TV pour regarder euh, le visage des deux euh, candidats qualifiés au second tour. Et ensuite, on pourra euh, rebasculer sur BFM TV quand on veut pour euh, regarder les réactions des candidats. Voilà donc, euh, venez dimanche soir, peinard, avec moi, tranquille. Euh... Est-ce qu'on veut vraiment voir du BFM TV Bah non, c'est pour ça que c'est moi que vous allez voir toute la soirée. Tu me remettras ta veste, c'est mort. Euh... Pourquoi les gens peu politisés mais quand même un peu à gauche ont peur de Mélenchon Bah c'est à eux qu'il faut demander, ils t'expliqueront. À partir de quelle heure Je sais pas, la soirée électorale va être longue, mais je pense que je peux lancer à 18h. 17h30, 18h. En plus, je vous rappelle qu'à partir de. Ouais, il y a du lag là, visiblement, je suis désolé. Hein. Comment ça se fait qu'il y a un problème de. C'est bizarre. Ouais, j'ai des drops. J'ai des drops, je suis désolé. Qu'est-ce que je peux y faire Mais je peux rien y faire, c'est pas habituel. Hein. Pantoufle, je fais comment Il y a le petit carré rouge en bas à droite là dans, dans OBS. Et j'ai des, des images puis j'ai des drops. Et pourtant, j'ai rien touché. Hein. Non, 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 c'est pas vous, ça vient de chez moi là, mais d'habitude, j'ai pas ça. C'est pas les, qui tapent, les Russes qui tapent sur les serveurs d'Amazon. Mais oui, oui, non, mais on l'avait déjà, déjà analysé mille fois sur cette chaîne. Le, le, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, ses prises de position et son parcours politique, ne font pas l'unanimité à gauche. Il y a plein de gens qui, euh, qui, ont, qui ont des réticences. C'est Usul qui montrait ça ce matin dans, dans Ouvrir l'Elysée. Il a, il, a, il a ressorti une émission de Mediapart dans laquelle les personnalités de gauche étaient venues débattre justement du vote Mélenchon. Il euh, y avait quand même plusieurs personnes qui rappelaient qu'il y avait des il y avait des réticences à voter Mélenchon pour plein de raisons euh, qui leur sont propres. Combien t'as d'onglets ouverts Mais pas plus que d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va, 7 onglets. Pas les, plus, pas les plus gourmands en plus. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Streamlabs, bah oui, mais Streamlabs très bien. Attends, je vais fermer tous mes onglets. Non mais c'est pas normal. Ah il y a Spotify qui est ouvert. Vous croyez que Spotify ça peut bouffer Mais pourtant il n'est pas en train de lire quoi que ce soit. Si je ferme Spotify, est-ce que ça va mieux C'est bizarre. Voilà, j'ai tout fermé. <laughs> La mise à jour Steam. Non non mais Steam n'est pas allumé. Il hein. n'y a pas de. non non. C'est Pixel Challenge qui bouffe toutes les ressources de Twitch. Non non mais ça vient pas de Twitch, ça vient de chez moi là. J'ai des drops, ça veut dire qu'il y a des a des images qui ne parviennent pas jusqu'à vous. C'est pas normal. Pantouf te disait d'essayer de baisser le bitrate à trois quarts. Est-ce que je peux le faire en live ou est-ce que je suis obligé de couper mon live pour ça Rate, ah non je peux le baisser 3000 kbps appliqué Voilà J'ai baissé le bitrate Est-ce que ça va régler le problème on va voir Merci pantoufle Merci Drant Je me suis toujours posé la question Les streamers ont des connexions Internet pour les particuliers ou pour les pros Pour les particuliers en général Ah là c'est bon, il n'y a plus de drop depuis que j'ai baissé le KBPS. Bon. Il bah fallait juste que je passe à 3000 KBPS et puis c'est bon. Hein. Il était à 6000 mon KBPS. L'image est dégueu. Ah ouais Ah merde hmm. Euh... Non, ça va pour l'image, moi j'ai tout nickel. Attends, je stream en... Excusez-moi, hein, je, je reprends la discussion juste après. Je stream en quelle qualité 1920 par 1080. Bah quoi, c'est très bien. Bon bah 1080. Ok c'est bon ça marche, il n'y a plus de drop, c'est terminé. 3000, BPS, 3000 kbps, merci beaucoup Pantouf, tout va bien. Euh, Qu'est-ce qu'on disait Qu'est-ce qu'on disait euh, Oui on parlait, de, on parlait de la figure de Mélenchon qui ne fait pas l'unanimité à gauche, oui ça c'est certain. Après est-ce qu'il a déjà existé une figure qui a fait l'unanimité à gauche Non. Non. Les personnalités sont clivantes, les personnalités ne font pas l'unanimité, euh, leur programme et leur posture politique non plus. Mitterrand c'était quand même quelque chose. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En 81, Mitterrand c'est pas rien. C'est sûr. Je viens de voir le titre de ton stream et je me rends compte que je suis complètement perdu, c'est pas rassurant. Ah, mais t'es perdu, genre, t'es perdu sur Twitch Tu voulais voir des pixels C'est pas ici. <laughs> Zemmour, il fait l'unanimité à gauche contre lui, mais quand même. <laughs> Perso, son soutien à Maduro au Venezuela, je peux pas, j'ai des amis qui crèvent la dalle là-bas. Ouais. Les questions internationales, c'est intéressant hein, de voir qu'il euh, y a des alignements, des désalignements, etc., euh, qui, sont, qui sont préjudiciables pour les candidats. Après, à, dans quelle mesure est-ce que ça pèse sur les votes des candidats Honnêtement, ça dépend de l'actu. Le soutien à Poutine de la part d'Éric Zemmour, de toute évidence, ça ne l'a pas aidé là, pour cette fin de campagne présidentielle. Bon, et en même temps, le soutien à Poutine depuis des années de Marine Le Pen, ça n'a pas l'air de l'handicaper non plus. Donc comme quoi, une même réalité euh, renvoie pas à la même image. Euh, Jean-Luc Mélenchon et son soutien euh, affiché aux gauches euh, mmh. sud-américaines, y compris à celles qui ont transformé leur régime dans, leur régime dans des trucs euh, assez éloignés de la démocratie et de la justice sociale, bah euh, pff, en quelle mesure est-ce que ça pèse, je sais pas. Il a quand même enchaîné les sorties limites antisémites Mélenchon. Non, tu peux pas dire qu'il a enchaîné les sorties antisémites. Il a dit une connerie antisémite sur un plateau en parlant d'Éric Zemmour. Euh, il a sorti un, un, truc, un truc qui ne lui ressemblait pas en plus. Non, tu peux pas dire ça. C'est encore possible d'avoir des personnalités si fortes pour représenter la gauche quand on voit l'explosion du nombre de partis. Oh, c'est pas le nombre de partis qui fait la personnalité ou pas. Hein. Oh, regarde, Jean-Luc Mélenchon est une personnalité très forte à gauche. On ne peut, peut, peut pas le nier. C'est sans doute une des personnalités qui aura le plus marqué la gauche euh, des années, euh, des années euh, 2010. Bah, c'est le virage populiste, euh, l'histoire du populisme de gauche. C'est aussi le jeu des pluralités des offres avec plusieurs candidats d'un même bord. S'il y en a un qui ne te plaît pas, bah tu vas chez le voisin. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, le, le, le... Enfin, les, 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 les mécaniques et les moteurs du vote à titre individuel sont pluriels. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on vote pour quelqu'un. Il y a plusieurs réticences aussi à voter pour cette personne. Et voter, c'est très souvent faire un compromis avec soi-même. Ou pas d'ailleurs, il y a des gens qui sont convaincus dès le premier jour, euh, qui savent très bien quel bulletin ils mettront, il euh, n'y a pas de débat pour eux, etc. Au risque de l'aveuglement aussi parfois, hein, de se dire que tout est merveilleux, euh, l'herbe est tellement verte, etc. C'est aussi, aussi le risque de l'absence de prise de distance. Tu as des gens qui ont beaucoup trop de prise de distance et qui du coup sont totalement incapables de voter pour qui que ce soit parce qu'ils voient que des défauts partout. Et qui du coup, ils n'arrivent pas à faire de compromis en disant « mais j'ai vraiment le choix contre la peste, le choléra et le Covid euh... ». « Je ne pardonnerai jamais à Mélenchon de ne pas avoir donné de consigne de vote pour Macron contre Le Pen en 2017 impardonnable. » Ouais, mais tu vois, sur le second tour de 2017, chacun y a entendu ce qu'il avait envie d'y entendre. Euh, une consigne déguisée ou alors, à l'inverse, une pudibonderie euh, coupable. <laughs> Donc chacun trouve midi à sa porte, encore une fois. Le truc, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a une vieille carrière politique. C'est un, est, est, est un vieux monsieur. Non seulement c'est un vieux monsieur, mais il est dans le paysage depuis, euh, depuis très longtemps. Euh... C'est c'est pas Zelensky. Hein. Merci Solfamir pour ton prime. Donc, euh, donc forcément, il y, y a toujours beaucoup plus de casseroles. Enfin, de raisons d'en vouloir à quelqu'un quand cette personne, elle est dans ton poste de télé depuis 20 ans, c'est sûr. Mais regarde, c'est le, le risque aussi de tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire Emmanuel Macron en 2017. Alors, c'est sûr, Emmanuel Macron en 2017, bah, il n'a pas de casserole au cul. Il n'a jamais été élu, il n'a jamais été député, il n'était pas connu du grand public avant 2015-2016. Ah, bah, forcément. Euh, Pas une voix pour Le Pen, il faut le dire en quelle langue Oh, tu penses pas que ça peut être un tout petit peu plus précis Je suis sûr qu'il y a moyen d'être plus précis. C'est dur à dire, sans doute. Euh... Il n'était pas ministre. Ben si, justement, il est devenu ministre tardivement. Il a été secrétaire général adjoint de l'Elysée avant de devenir ministre, mais du coup, il est apparu au... son visage est apparu auprès du grand public à partir de 2015-2016. C'est juste que ça lui faisait mal au cul de dire Macron. Bah oui, ça lui faisait mal au cul de dire Macron et puis du coup, il s'est pas retrouvé dans la même situation que le journal Libération. Euh... Regarde. Libération, ils ont eu la clarté. Ils ont eu la clarté de leur prise de position mais ça leur a coûté cher. Voilà, entre les deux tours en 2017, Libération, leur une c'était ça. C'était à peu près le même message que Jean-Luc Mélenchon, en un peu plus clair. Bah c'est sûr, ils sont fait taper sur la tronche par beaucoup de gens qui leur en ont voulu, etc. Donc c'est sûr que Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu à payer <laughs> le prix de cette clarté. Chirac, tu auras mon bulletin, tu n'auras pas ma voix. Ouais, je la connais, cette... elle est jolie, cette, cette phrase. Mm -mm. Pourquoi les petits candidats de gauche ne sont pas allés réclamer des postes au gouvernement ou autres à Mélenchon De qui tu parles Macron veut faire travailler les gamins et réserver l'éducation aux riches. C'est pas réacte de ch chez moi ça. Alors mieux vaut Le Pen. Mieux que Le Pen, faut voir. Non non, mais c'est justement. On l'avait dit. Il y, y a à peu près. Euh... À peu près un électeur de Jean-Luc Mélenchon sur deux euh, votera Marine Le Pen au second tour face à Emmanuel Macron, d'après euh, une enquête. Donc, oui, non, mais justement, encore une fois, c'est là que ça vous montre la pluralité des, 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 des prises de position. Les, les, le, 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 le Mélenchonisme n'est pas un bloc monolithique. Alors, ça, ça en a beaucoup l'air, hein, vu de l'extérieur. Mais en interne, quand vous regardez, quand vous écoutez, quand vous discutez avec les insoumis, etc., vous rendez vous rendez bien compte qu'il y, qu y, y a du monde au sein de la France insoumise. Hein. Ça rassemble quand même pas mal de gens. Il y a des gens différents les uns des autres. Il y a des gens qui sont tentés par le vote anti-Macron, quoi qu'il en coûte, et quoi qu'il en soit. Donc plutôt Le Pen que, que, que Macron. Il y en a qui sont, euh, euh, il y en a qui sont prêts à s'abstenir. Il y en a qui sont prêts à voter blanc, voter nul. Il y en a plein qui sont prêts à voter euh, Emmanuel Macron. Et puis chacun il va avec sa petite tension interne, c'est rarement tout noir ou tout blanc quoi. Tu drops sévère, mais non, je drop plus maintenant. Non, non, j'ai arrêté de dropper, arrêtez, j'ai arrêté de dropper. Depuis que j'ai changé le bitrate, maintenant tout va bien. Ça vient d'où le truc comme quoi Macron veut privatiser l'enseignement de l'augmentation des frais de scolarité des étrangers Non, ça tu confonds avec l'éducation nationale, avec l'enseignement supérieur, pardon, <coughs> les frais à l'université. Non, c'est Emmanuel Macron qui propose une autonomie des établissements scolaires avec plus de pouvoir pour le chef d'établissement, donc le directeur ou la directrice de l'école dans le premier degré, hein. donc maternelle, élémentaire, et non pas collège, lycée, parce que ça c'est déjà assez autonome de ce point de vue-là. Euh, voilà et donc c'est contesté par beaucoup d'enseignants de, de syndicats d'enseignants qui voient un risque de mise en concurrence des, des écoles les unes contre les autres avec des phénomènes de euh, école réputée école moins réputée euh, euh, école attrayante école moins attrayante pour les enseignants même si ça existe déjà hein, dans une certaine mesure sur les demandes de mutation mais c'est plutôt par zone géographique que par établissement. Pourtant Mélenchon Pro-nucléaire aurait plus de chances de gagner. Pas sûr, pas sûr. Parce que si Jean-Luc Mélenchon était pro-nucléaire, euh, t'as aussi tout un paquet de la gauche antinucléaire qui se retrouverait chez Jadot. Si, Macron était pro si Mélenchon était pro-nucléaire, euh, il restera qui danti le à gauche Les écolos et la gauche et les communistes révolutionnaires. il bah, y a un paquet d'écolos euh, dans, dans TINUC, euh, qui voteraient très jadot quoi. l'extrême gauche qui vote pour l'extrême droite ou l'extrême droite qui vote pour l'extrême gauche, je ne comprendrai jamais. Bah, le, moteur de, le moteur de ça, c'est la, la radicalité de la posture, en fait. C'est le fameux ⁇ faut que ça pète ⁇ faut que ça change, quel que soit le changement pratiquement. En fait, c'est la, la question du curseur qui est très souvent, c'est les gens qui veulent que ça change. La question de leur poser, c'est quel type de changement tu veux et jusqu'où tu es prêt à aller pour ce changement-là Ouais, ça, ça, ça nourrit la rhétorique du fer à cheval, mais je suis pas tout à fait d'accord avec cette rhétorique-là. Ça, ça, le fer à cheval, ça consiste à dire que euh, la gauche et la droite euh, s'éloignent et qu'en fait les extrêmes, gauche et droite, se rejoignent. C'est un peu la, la forme d'un fer à cheval. Bon, J'ai toujours été, euh, toujours été assez, euh, assez mitigé sur ce concept-là, déjà parce que ça manie les notions d'extrême gauche et d'extrême droite en, en, en mettant un miroir un peu relou là-dessus, et, et parce que ça m'a toujours un peu énervé. J'ai toujours, toujours trouvé ça très très pauvre comme, comme logiciel d'analyse, mais, mais surtout parce qu'en euh, qu en fait, l'extrême gauche et l'extrême droite ne se rejoignent sur rien d'autre que sur la critique de l'existant, mais sans forcément se rejoindre sur les constats et sur les propositions d'alternance et d'alternatives ne peut pas me dire que l'extrême que, que gauche, donc ce qu'on pourrait appeler la, le communisme révolutionnaire, soit comparable en un quart de, de, de quoi que ce soit avec la droite radicale. Enfin bon, je veux bien faire preuve d'imagination, mais enfin, quand tu écoutes deux minutes le NPA ou le Touvrier te parler, tu comprends qu'on est dans des logiques de classe et d'affrontement de classe, euh, et dans un matérialisme marxiste à l'ancienne euh, où rien n'existe plus que ta condition sociale et économique. Et quand tu écoutes les, 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 la gauche de la droite, de la droite parler, on est, dans, on est dans un rapport à la société très organique, très, euh, très porté sur les origines, la transmission, sur, 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 la, sur des logiques de, de civilisation, pour ne pas dire de race en réalité. Donc pff, ils parlent même pas le même langage, ils se comprennent sur rien. C'est pour ça que faire débattre l'extrême droite contre l'extrême droite sur un plateau n'a jamais servi à rien. C'est pas intéressant, ils parlent même pas le même langage. Donc bon... Mais vous vous souvenez, quand on a reçu Philippe Poutou sur le plateau d'Axit, on lui a posé la question de euh, « est-ce que toutes les colères sont légitimes à vos yeux ?» Quand on l'a reçu, il y avait le convoi de la liberté. Le convoi de la liberté qui était un truc euh, un peu tendancieux sur certains bords, euh, toutes, les, toutes les revendications n'étaient pas tout à fait claires. Euh, et puis il y avait certaines personnes qui étaient dans le convoi de la liberté et qui étaient assez clairement anti-vax, euh, complotistes euh, à mort, euh, tendance fascistoïde euh, <laughs> à, la, à, à la Francis Lalanne. Du coup, euh, nous, le, le soutien de Philippe Poutou à la, euh, au convoi de la liberté, ça nous avait un peu. Euh... Bah, ça nous avait questionné, en fait. C'est pour ça qu'on lui avait posé la question. Et nous avait répondu du bout des lèvres euh, Ouais ouais, faut que ça pète. Bon, oh, intéressant. Ça s'est terminé comment d'ailleurs le convoi de la liberté Je sais pas. Euh, visiblement ils n'ont pas gagné, sinon sinon je le saurais, mais. Hmm. Les extrémistes aiment bien la Russie ou inversement euh, Ça dépend du contexte, ça dépend du moment, mais ouais, mais enfin, encore une fois, si tu trouves des parallèles comme ça à chaque fois, oui, les, les extrémistes, comme tu dis, euh, aiment pas les médias. Les extrémistes euh... <laughs> euh, sont démagogues et populistes. Les extrémistes, euh... je sais pas. Enfin, tu vois, oui, d'accord. Moi, enfin, encore, encore une fois, je suis désolé, ça suffit pas à mettre un signe égal ou à faire des rapprochements. Euh... Je comprends toujours pas la logique de je me présente à une élection, mais pas pour être élu. Ah le truc de Poutou bah, c'est parce que c'est parce que dans sa dans sa grille de lecture politique l'élection euh, n'est pas un n'est pas un n'est pas à même de, de parvenir à obtenir ce qu'il souhaite obtenir donc c'est une critique du système même de l'élection Si tu fais ça, tu peux aussi rapprocher l'extrême droite de La République En Marche à un hein, non-sens. Mais oui, mais en plus tout le monde joue à ce petit jeu-là, je le comprends bien, encore une fois, ça a une logique rhétorique, ça a une logique pour soutenir une certaine vision des choses. Comme le parti animaliste, le but c'est d'imposer leurs idées dans le débat. Ouais, bien sûr. Oui, c'est de se servir de l'élection comme d'une tribune politique pour inciter à, à l'action euh, anticapitaliste, que ce soit par la grève, la mobilisation dans la rue, etc. Les luttes, comme on dit, comme ils disent. Donc, euh, oui, oui, et ça a du sens, et c'est pas absurde, et c'est pas. Enfin, moi, je balaye pas ça d'un revers de main. Hein. C'est certain, ils cherchent pas à gouverner le pays, c'est pas, pas trop dans leur logique. Ouais, D'ailleurs, ils le disent avec beaucoup de tranquillité, hein. Philippe Poutou, il le dit, euh, je ne serai pas à l'Elysée, je ne serai pas président de la République, je ne veux pas l'être. Euh... Bon, il ne dit pas votez pas pour moi, <laughs> mais il a deux doigts. En vrai, le NPA disent maintenant qu'ils ne cherche pas à gouverner pourtant avec les objectifs unitaires d'être élu. C'était vraiment... vraiment la perspective. Euh, tu parles de les perspectives unitaires pour être élu c'était aux élections régionales, c'est ça C'est quoi la différence entre Poutou et Arthaud C'est une bonne question, ça. Je me rends bien compte que c'est difficilement lisible. Euh, moi, j'ai mis des années à le comprendre, hein, je, je vous rassure, je ne vais, vais pas vous dire que j'avais compris ça dès l'âge de 15 ans. Pendant très longtemps, je ne comprenais pas la différence entre la LCR et Lutte ouvrière. Pour moi, c'était pareil c'était blanc-bonnet, bonnet blanc, ça se ressemblait beaucoup, etc. Alors, ça se ressemble beaucoup, déjà, ça je vous l'accorde. Oui, ça se ressemble beaucoup. NPA et Lutte ouvrière sont deux parties issues euh, de ce qu'on appelle le trotskisme Donc, c'est une gauche communiste révolutionnaire anti-stalinienne. Je rentre pas dans les détails de l'histoire parce que leurs différences sont en partie historiques. Mais pas seulement c'est aussi une différence de culture politique. Grosso merdo, et pour faire simple, enfin, ouais, une fois que tu as pris le truc de l'histoire en disant bah, la LCR, euh, ils se sont créés euh, dans la lutte clandestine pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, euh, ils ont subi l'oppression de la milice euh, des vichistes, des nazis, puis des, puis des stalinistes, etc. Donc, ils ont une forte culture du, du, de la discrétion et du secret, etc. Bon, d'accord. Euh, alors que la LCR puis le NPA sont nés après mai 68, donc dans une autre gauche, dans un autre mouvement de la gauche un peu différent, mais qui peut se rassembler. Je ne je, voilà, je rentre pas dans le détail. Aujourd'hui, quelle est la différence entre lutte ouvrière et le NPA Pour faire très simple, lutte ouvrière, l'intégralité de leur logiciel de pensée tourne autour du travail et uniquement du travail. Ils sont dans une logique de rapport de force entre les travailleurs et les patrons. Euh, C'est une logique marxiste-léniniste à l'ancienne, très, euh, très portée sur le travail. Et le nouveau parti anticapitaliste est beaucoup plus nourri de l'archipel des luttes. De l'altermondialisme, de l'anticolonialisme, de la lutte contre le racisme, à, euh, aux luttes pour les minorités de genre et minorités sexuelles. Voilà, le NPA est un, un arc-en-ciel de luttes différentes qui se rassemblent dans un projet anticapitaliste, etc. Donc ça reste des gens qui considèrent que le problème, c'est le capitalisme, mais le NPA va chercher à agréger des luttes différentes les unes des autres. Des écolos radicaux, des gens qui viennent d'attaques, des gens qui, euh, qui viennent des, 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 des collectifs euh, trans révolutionnaires, en passant par euh, euh, des fonctionnaires, des intermittents du spectacle, etc. Enfin bref, des luttes qui sont un peu chacune dans leur coin, mais qui ont comme point commun d'être dans une dénonciation du système du néolibéralisme et du capitalisme, etc. Voilà. Là, aux luttes ouvrières, pour le coup, ils sont vraiment dans une logique de partie de classe, au sens de classe sociale, de définition de soi par sa condition matérielle euh, et sa profession et, son, et, son, et, son, et sa place dans l'appareil dans productif. Donc c'est un parti qui a sa place dans les usines, auprès des travailleurs, etc. etc., etc. Voilà un peu la différence entre les deux. Pour essayer de vous vulgariser le truc, c'est un peu ce que je vous dirais. Donc c'est des parties très proches, euh, en termes de, de constats et de propositions, mais c'est des parties qui divergent sur, disons, leur stratégie. Et encore, je dis ça alors que non, parce que le Npl et le Touvrière sont tous les deux dans un refus absolu des alliances. Enfin, euh, ça dépend, des fois, ils font des exceptions. Chasse-pêche, nature et tradition, ils deviennent quoi euh, CPNT est un parti qui a rejoint le Rassemblement National après 2012. Le NPA, c'est les étudiants et l'Utte ouvrière, c'est les ouvriers. Non, tu ne peux pas résumer à ça comme ça, c'est plus compliqué que ça. Du coup, y a-t-il une vraie différence entre le RN et Reconquête <laughs> Ouais. Euh, oui, encore une fois, les différences entre les partis politiques ne sont pas à lire uniquement d'un point de vue programmatique. Les différences entre les partis politiques sont aussi à lire dans des contextes et dans des dynamiques. Le Rassemblement National, c'est un parti qui est issu du Front National, qui est lui-même issu euh, du travail de Jean-Marie Le Pen dans les années 60 et 70, après qu'il ait été député pour essayer de rassembler toutes les, toutes les, toute l'archipel de l'extrême droite française dans un même mouvement politique. Donc, le Rassemblement National a sa propre histoire, notamment le Rassemblement National de Marine Le Pen depuis le milieu des années 2000, qui essaye de travailler différemment à rassembler l'extrême droite et surtout à lui donner une perspective de, de, de prise de pouvoir. Là où Reconquête est un parti beaucoup plus récent, qui est porté et autour de sa figure de fondation, qui est Éric Zemmour. Euh, qui se traduit dans une radicalité, dans un retour à la pureté du message historique de l'extrême droite française, donc dans la réhabilitation de la France collaborationniste de Vichy, en passant par euh, la dénonciation euh, d'une réalité quasi organique de la société qui est mise en péril et en danger par euh, une immigration euh, qui, prend les, qui prend les traits d'un grand remplacement avec tout ce que ça a de complotisme de, et, de, et de xénophobe et de raciste dans la, dans la, dans la, dans la lecture des événements. Euh, on est quasiment, on est à deux doigts du retour à la pureté du sang euh, qui est mise en péril par le métissage, les métèques, les Juifs, etc. de Charles Maurras. Hein. Enfin, on n'est vraiment pas très loin de ça dans le discours d'Éric de, 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 Zemmour et de ses soutiens. Là, où le Rassemblement National est un parti qui euh, historiquement est euh, dans la lutte contre l'immigration. Euh, désigné comme étant le responsable de l'insécurité, de la montée de l'insécurité, mais aussi de la montée du chômage en France et en Europe. Euh, Marine Le Pen refuse de parler de grands remplacements elle parle de submersion migratoire. Et, euh, et le Rassemblement National a une stratégie pour le coup de conquête du pouvoir via la normalisation, la banalisation presque, et le fait de présenter des candidats à toutes les élections. Ce qui lui avait joué des tours en 2014, les élections municipales s'étaient assez mal passées parce que le Rassemblement National avait voulu présenter des candidats absolument partout, euh, et du coup ils avaient quand même un certain nombre de gens assez peu présentables <laughs> qui ont été présentés sur plein de listes, et du coup euh, bah voilà les journalistes en étaient donnés à cœur joie en allant dénicher. Les, les profils problématiques. Mais entre-temps, le Rassemblement national euh, a continué sa progression, a remporté, des, a remporté des villes aux élections municipales, a remporté euh, des, conseillers, euh, des, des, des députés européens aux élections européennes, quelques députés aux élections législatives en 2017, même si ça ne leur a pas permis de créer un groupe. Donc je rappelle qu'en 2012, ils avaient obtenu deux ou trois sièges de députés, le Rassemblement national. En 2017, ils sont montés à 8-9. Donc, donc voilà, donc le Front national et Reconquête, son, le Rassemblement national et Reconquête sont dans leur genre eux aussi très proches parce qu'ils partagent une lecture du monde, une lecture de l'histoire et un rapport au temps et un rapport à, euh, au contexte qui, euh, qui les rapproche. Ils ont, par contre, ils ont une stratégie qui est différente, ils ont des succès électoraux qui sont différents. Et, euh, et voilà. Pour le coup... Reconquête et le Rassemblement national se tapent sur la tronche pendant cette campagne présidentielle alors que l'Outouvrière et le NPA se tapent pas trop dessus. Au contraire, moi j'ai entendu Nathalie Arthaud dire non mais les camarades du NPA ils sont très bien là où ils sont, ils ont raison d'être là, ça fait plaisir. Plus on, est, plus on est de communistes à cette élection mieux c'est et tout. Enfin c'est pas du tout la même logique quoi. Mais en même temps la différence entre les deux c'est que... C'est que le, le, ni le NPA ni l'Utouvrière ne souhaitent remporter cette élection présidentielle, alors que du côté de Reconquête, comme du côté du Rassemblement National, il y a une volonté de gagner. Pas être tout pareil, quoi. Sauf erreur de ma part, les anciens LCR ont pu intégrer des formations de gouvernement quand LO est resté dans son coin, n'est-ce pas une distinction fondamentale Non, non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, 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 non. non, non la LCR n'a jamais participé à aucun gouvernement en France. Justement, ils se, ils se sont créés dans la dénonciation. Du Parti communiste français qui, lui, a commis l'irréparable. C'est-à-dire qu'ils ont fait des alliances. Merci, Ernald, 7 pour ton Prime. Combien il faut être de députés pour former un groupe au, à l'Assemblée Il faut être 15. Voilà. Il faut être 15. Et qu'est-ce que ça change bah, Ça change quand même pas mal de choses à hein, avoir de, un groupe de député à l'Assemblée nationale, ça te permet d'avoir vos chapitres, de participer aux négociations entre les groupes sur les questions d'ordre du jour et d'organisation de, des travaux de l'Assemblée, ça te permet d'avoir du temps de parole dans les débats, ça te permet de... Non, ça te permet plein de trucs quand même. Hein. Du droit de tirage sur des commissions d'enquête, sur des rapports, sur des... Non, non, c'est... Merci Nixon, pour ton prime, merci. Pourquoi le PCF est toujours en décalage avec la gauche <laughs> si tu veux, en un siècle d'histoire, ils ont toujours été complètement à côté de la plaque. <laughs> non, ça marche pas comme ça. C'est plus compliqué que ça. C'est une question de perception surtout. Reconquête, ils ont déjà dit s'ils allaient présenter des députés. Euh, oui, 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 euh... oui. Bah, ils ont dit qu'ils souhaitaient le faire. Après, comment ils vont le faire J'en sais rien. Est-ce qu'il y aura des accords avec le Rassemblement national On verra entre les deux tours. Ça dépend du second tour, ça dépend. On verra ça samedi, dimanche, pardon. Est-ce que ça a un intérêt d'être un groupe parlementaire minoritaire Ah bah, c'est est la question. Est-ce que ça sert à quelque chose d'être minoritaire en démocratie Bah c'est pas inutile. c'est pas, pas parce que t'as pas la majorité qu'il faut fermer ta gueule et arrêter de combattre. Voilà. Donc euh, avoir un groupe minoritaire, ça te permet de prendre la parole, ça te permet de proposer, ça te permet de contester, ça te permet d'obtenir de, des explications de la part du gouvernement et de sa majorité. Ça te permet de faire tout ce travail-là. Comment se fait la composition de l'Assemblée nationale Bah c'est toi qui l'a fait en votant aux élections législatives, dans les circonscriptions, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Je suis dégoûté par cette élection, de voir des gens proches des idées de Mélenchon ne pas voter pour lui à force d'écouter les mensonges des médias et du coup participer à faire gagner l'ERN. Oh bah sois pas dégoûté par cette élection parce qu'il y a des gens qui ne partagent pas tes idées, t'inquiète pas, tu vas t'en tu vas remettre, enfin, je te le souhaite. C'est pas grave. Est-ce que tu penses que les votes des Outre-mer samedi donneront déjà des indices sur le résultat final le lendemain soir Salut Doc Seven Non, non, je pense pas. Non, je ne pense pas. Le vote des Outre-mer a toujours été un vote avec des surreprésentations un peu particulières. Alors, la différence entre les élections locales dans les Outre-mer et les élections présidentielles, c'est qu'aux élections locales. Euh, le, 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 le score est très difficilement lisible dans les Outre-mer parce qu'ils ont des partis locaux, ils ont des, ils ont des logiques et des dynamiques territoriales qui leur sont propres avec des partis locaux, avec des partis indépendantistes Guyana, etc. C'est très particulier, donc tu peux pas les lire de la même manière. Ce que tu as raison de rappeler, c'est que le vote des Outre-mer arrive avant euh, en métropole, même si on n'a pas le droit d'en parler à cause de la période de réserve pendant le samedi et le dimanche. Euh, mais non, ça peut pas donner des... parce que tu as des surreprésentations d'électorats dans ces territoires-là. Pour le dire autrement, c'est pas parce que Mélenchon est haut euh, dans le vote à la Réunion qu'il sera haut en métropole. <laughs> ne vous emballez pas si vous entendez sur Twitter des rumeurs dimanche après-midi comme quoi oh, il paraît qu'à la Réunion il y a Mélenchon, il a 40 Tranquille. Tous les 5 ans, j'en vois péter un plomb là-dessus. Merci à l'illustre inconnu qui vient d'acheter un mug Baxit. Regardez-moi ce magnifique mug Baxit que vous pouvez acheter sur le uTip de Baxit. Point d'exclamation uTip dans le chat. Ça permet de soutenir financièrement l'émission. Merci à vous. Fin de la pub. Pourquoi ils font les élections en différé Pour des histoires de rotation de la Terre autour du Soleil. Enfin, surtout de rotation de la Terre sur elle-même. Qui du coup fait que bah quand il est 20h chez eux, il est euh, midi chez nous. Il faut le faire en bleu, écriture jaune, le mug. Ouais, je sais, on va essayer de trouver une solution. Mais euh... il, il est déjà très beau, celui-là. Hein. Il rend le café meilleur, je vous rappelle. Hein. Il vous donne des érections plus lancées. Non, bon, c'est bon, j'arrête. Euh... Donc ouais, ouais, on va essayer de trouver, euh... on va essayer de faire le mug euh, qu'on a sur le plateau. Parfait, j'avais des troubles. Il a pas de surprise, ce sera Mélenchon, c'est tout. Si tu le souhaites. <laughs> c'est euh, Jiminy Cricket qui disait ça, si tu crois en ta bonne étoile et que tu y crois fort, 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 tes rêves se réaliseront. Bah faut brûler un cierge. Hein. Euh... Ce culte de Mélenchon fait quand même un peu peur. Ouais, mais ça, encore une fois, les amis, il faut se faire à l'idée, encore une fois. Et ça, et ça pour le coup, c'est pour ça que je suis content, parce que moi, ce pas ma première présidentielle, j'en ai vécu d'autres. Ça, je l'ai vécu tous les cinq ans. Hein. Des, des, des personnes qui sont dans une ferveur militante en faveur d'un candidat, quel qu'il soit, et qui, euh, et qui ne voient l'élection qu'au prisme de ce candidat-là, etc. Qui... C'est habituel, c'est classique. Ça, je, je l'ai vécu plein de fois. En 2007, Nicolas Sarkozy, il était porté par une vague de gens... Qui trouvaient ça évident de voter Sarkozy, mais c'est débile de ne pas voter Sarkozy. Mais il faut vraiment être con comme une table pour ne pas voter Sarkozy. Mais enfin, c'est évident que c'est le meilleur. Voilà. Ces propos-là, on pourrait croire que je rigole, mais je les ai entendus. Il hein. y avait des gens qui, pour eux, c'était. Mais c'est quand, quand même dingue que les gens ne votent pas Sarkozy, quoi. Je qu'on comprend pas. Donc, tu vois, c'est pareil en 2012, je l'ai entendu de la bouche de plein de gens, etc. Donc, il faut se faire à l'idée, c'est comme ça, il y a des manières différentes, les gens ont des manières différentes de vivre les élections, euh, et une élection présidentielle à fortiori. Tout dépend des idées des gens. Mais là encore, je te, là encore le, 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 les raisons pour lesquelles tu votes pour une personne à une élection présidentielle sont plurielles, il y a, aussi, il y a le programme en partie, mais il y a aussi le candidat ou la candidate ton affection ou pas, les choses que tu peux avoir lui reprocher, des questions de méthode, tu peux avoir des tu peux voilà, tu peux avoir tu peux voter pour quelqu'un avec qui tu as des quand même des divergences de point de vue sur deux trois sujets ou sur des ou sur des enjeux de méthode ou de stratégie ou de tactique. Why not tu fais ce que tu veux. Mais euh, le culte de Jean-Luc, ouais, 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 le culte de Jean-Luc, il est. Mais encore une fois, après, ça dépend, encore une fois, quand on dit de culte de Jean-Luc, ça dépend de quel, quelle forme il prend et comment il est. Y a, y a, y a des... Ça peut être marrant, ça peut être ironique, ça peut être sympa, ça peut être fun, ça peut être. Euh... Enfin, tu vois, des gens qui font le logo de la France Insoumise en petit sur le, sur le Pixel War, etc. Je trouve ça plutôt marrant, enfin, je m'en fous, c'est un peu rigolo. Puis en plus, c'est pas un culte, c'est qu'ils n'ont pas fait le visage de Jean-Luc, ils ont fait le logo du parti, bon, pff, ça va, c'est bon esprit, c'est bonne ambiance, il y a un côté supporter, etc. Euh, après, tu as effectivement des gens qui sont dans un culte absolu, euh, qui sont d'une susceptibilité délirante, dès lors que tu as le malheur d'émettre une forme de réserve, voire pire, de critique, envers euh, la personne euh, sacrée et christique, <laughs> qui est Jean-Luc Mélenchon. Où là, tu te dis, ah ouais, d'accord, là, il y a des gens qui prennent tellement à cœur euh, Jean-Luc euh, que, que voilà qu'il est qu absolument interdit de le critiquer sous peine de... Ouh. De s'en prendre plein la gueule, j'en sais quelque chose. Hein. J'ai deux, trois commentaires sur YouTube euh, à peu près tous les jours. Donc là, tu te dis. Enfin euh, voilà, encore une fois, les, les gens vivent les choses de manière très différente. C'est pas la tortue qui s'agace, c'est les militants. <rire> <rire> il, y les, il y a les mêmes pour Macron. Oui, carrément. Ah oui, il y a carrément les mêmes pour Macron. Ah oui, oui. oui. Oui, eux, les, les macronistes sur Twitter, etc., qui sont d'un niveau de, de premier degré euh, turbo-agressif, euh, turbo etc. Mais ça, ça c'est intéressant, je pense qu'il faudra qu'on fasse le bilan après la campagne, c'est les limites du militantisme en ligne. Euh, avoir une force d'internautes qui soutiennent ta candidature, que, qui que tu sois, quel que soit ton candidat, etc., ça a ses avantages, mais ça peut avoir les inconvénients de ses avantages. Merci un illustre inconnu qui achète un mug. Un mug backseat qui donne des érections. Enfin, non, pardon. Euh, c est, c est, ça dépend beaucoup du. Enfin, ça dépend même pas que du candidat, ça dépend de la méthode, de la méthodologie, etc. Ça peut donner un entrain et un allon à ta campagne, mais ça peut aussi dégoûter beaucoup de gens euh, de voter pour toi. Moi, il y a, y a des militants euh, sur, sur Twitter. Je, je, je me permets de dire que ce sont des militants, puisqu'ils ils, ils affichent le soutien à un parti ou à un candidat dans leur tweet name, voire même leur, leur pp et dans leurs propos, etc. Tu les sens en campagne. Donc, très bien, c'est du militantisme, c'est chouette. Euh, mais parfois, par leur comportement et par leur tweet, tu te dis, d'un regard extérieur, tu te dis Mais putain, mec, tu te rends pas compte à quel point t'es en train de ramer contre ton candidat. Là, tu te tires une balle dans le pied. T'es un repoussoir à vote, <laughs> mais d'une puissance incroyable. UPR, on pense à toi. Ouais, le forçage de l'UPR en 2017, ça a fait marrer un peu tout le monde. Mais euh... c'est ce que disait Caroline Dehas, d'ailleurs, sur le plateau de Mediapart, qui disait. Euh... Alors, en l'occurrence, elle a une dent euh, contre, les militants, euh, contre certains militants de la France Insoumise sur Twitter en disant Quand t'es militant de gauche et que tu te fais insulter tous les jours par des militants de la France Insoumise, je te jure que ça donne pas envie de voter la France Insoumise. Et ça, euh, et ça, ça se retrouve chez d'autres candidats, chez La République En Marche aussi, avec un mépris de classe, un mépris social de la part de militants qui te prennent de haut à chaque fois que tu t'émets une critique ou une réserve sur, euh, sur Emmanuel Macron ou son action. Et, et parfois, tu te dis En fait, euh, les militants. Euh, C'est chouette ça, ça participe à, à l'entrain et, et à la dynamique d'une campagne, mais alors parfois... Les pro-LFI sont insupportables et pourtant j'aime bien Mélenchon. Les pro-LFI, il ne faut pas tous les mêmes dans le même sac, encore une fois. Moi, c'est en plus, c'est un truc aussi que j'ai appris avec le temps, j'ai appris à comprendre ça, etc. J'ai pris du recul, je sais très bien que le militantisme en ligne particulier, spécifique et contextuel et qui n'est pas résumable et qu'on peut pas résumer une campagne aux gens qui le représentent sur Internet. Euh, pour prendre l'exemple des Insoumis, euh, moi les Insoumis, je les connais sur Twitter, je vois à quoi ils ressemblent et effectivement, je pense que ce sont des repoussoirs à Jean-Luc, à vote, euh, à vote Insoumis euh, très très puissant. Je pense que pendant des années là, ils ont ils ont, ils, ont, ils ont alimenté la machine à perdre pour Jean-Luc, euh, enfin, sans s'en rendre compte, avec beaucoup, de bien, avec beaucoup de bonne volonté à chaque fois. Mais, euh, mais tu ne voilà, tu peux pas insulter les gens sur Twitter et attendre ensuite de faire un rassemblement et euh, un vote utile avant le premier tour. C'est complètement antinomique et ça ne marche pas. Et pour autant, à chaque fois que je les rencontre, les insoumis, ne sont pas comme ça. Mais vraiment pas comme ça. J'ai été invité aux, aux journées d'été de la France Insoumise, aux Amphis, il y a deux ans, je crois. Il y a deux, un an, deux ans. C'était l'été dernier, je crois. Je ne sais plus. Ouais, c'était l'été dernier. Euh, J'ai été invité aux amphis euh, J'ai rencontré les insoumis. Ils sont pas du tout comme ça. Ils sont beaucoup plus sympas. Ils sont hyper euh, distanciés. Ils, ils sont critiques. Ils ont des. Ils ont des... Bon, y a pas de démocratie interne, mais <laughs> ils sont critiques. Ils ont des. Ils ont des choses à dire. Ils en veulent à Jean-Luc sur deux trois trucs. Et puis en même temps, ils. Enfin, bref, ils discutent politique. Ils sont super sympas. Donc tu te dis en fait, les trois quatre connards que tu rencontres sur Twitter en fait ne représentent pas la, la, la diversité, la subtilité et la pluralité de ce que sont les militants. Mais quand tu les rencontres en vrai, quoi. J'ai toujours pensé que militer rime très souvent avec desservir sa cause. À partir du moment où il y a forçage, la cause est sale. Ça dépend, encore une fois, attention, tu ne peux pas tout limiter à ça. Distribuer des tracts sur la place du marché, c'est pas lutter contre ton propre parti. Si tu si arrives avec le sourire vers une personne en disant ⁇ Bonjour madame, voulez-vous un tract pour mon candidat ?⁇ Si tu es sympa, souriant, avenant, etc., tu pas en train de... de, de... Par contre, si tu arrives sur la place du marché avec un tract, merci John Doe qui a acheté un mug. Merci. Si t'arrives sur la place du marché avec un trac, tu fais. Attention, hein. T'as intérêt à voter pour. Sinon, je. Fils de chien, va. Là, c'est sûr, tu viens de perdre un électeur. Et si c'était un électeur indécis, tu viens de lui confirmer sa décision de ne pas voter pour ton candidat. Ça, c'est à peu près certain. <laughs> Donc. Donc voilà quoi. Quand tu es critiqué de toutes parts et que tu es dans l'opposition, tu développes une posture défensive constante. Oui, et c'est encore plus vrai quand tu es au gouvernement. Figure-toi. C'est plus facile d'être un connard sur Twitter que dans la vraie vie. En plus, tu as parfaitement raison. Alexis Corbière fait un peu caricature du militant, je trouve. Ouais, peut-être, mais moi, quand je l'ai rencontré physiquement, Alexis Corbière, il n'est pas du tout une caricature... Enfin, il est, il est ce qu'il est, hein. c'est un, un député d'opposition, machin. Mais il, est, il met beaucoup plus d'eau dans son vin, il a une discussion, il fait, enfin, tu vois... Il... Euh... C'est pas évident de convaincre du bien fondé d'une position face à quelqu'un de très opaque, pourtant susceptible d'être convaincu. Et bien à ce moment-là, faut pas, faut pas se battre. Enfin, faut pas se battre, faut dire ok, très bien, écoute, on peut en reparler à l'occasion si tu le souhaites. Enfin, toujours se montrer ouvert, intelligent, euh... sympa. Euh... Enfin, encore une fois, c'est pas. Merci le Parisien 75008. En plus, c'est précis. Merci pour ton prime. Parler avec des militants sur les marchés, c'est super intéressant. Mais grave, mais grave. Je ne sais pas si vous allez au marché, ça vous arrive. Moi, ça m'arrive jamais. Mais euh, si ça vous arrive d'aller au marché et que vous croisez des militants, euh, bon, si n'est pas un parti que vous détestez, n'hésitez pas à aller leur parler. Hein. Salut. Euh, ah, vous, ah, vous êtes militant pour. Euh, ah, c'est marrant. Posez-leur trois questions, vous verrez. Hein. Ils sont sympas voire même moi ça m'est arrivé de croiser des militants euh, ça m'est arrivé de croiser des militants de papoter un petit peu avec eux d'avoir une discussion politique où les mecs euh, très rapidement en deux phrases ils commençaient à être critiques vis-à-vis -vis de leur propre parti et ben bah, je suis désolé mais moi ça me les rendait vachement attachant dire un militant qui se comporte pas comme un témoin de jéhovah un peu borné et qui me dit non non mais tout ce que fait mon parti est formidable le mec au bout de deux phrases en fond, une club il dit non mais ouais non mais je suis d'accord avec toi c'est vrai que bon là ça déconne depuis un an parce que bon on n'aurait pas dû faire ça à l'époque et en même temps bon tu sais euh, moi, j'essaye de. Il y a quand même une discipline et c'est important. Moi, je soutiens la cause et tout. Bah, je suis désolé. Moi, je finis ma clope et je me dis, bah, ce mec-là, il est trop cool et en fait, son parti est trop cool. S'il y a que des mecs comme lui dans le parti, trop bien. Bah voilà, il vient de gagner un sympathisant, tu vois, juste en discutant dix minutes. Alors que le mec vient de m'expliquer pourquoi il avait des difficultés à être dans son propre parti, hein. Bon bah, je suis désolé moi je ça me plaît <laughs> cette euh, voilà. cette euh, cette discussion ouais Militer sur Internet, c'est contreproductif au final. Ça dépend ce que tu appelles militer sur Internet. Oh c'est toujours pareil. Ça dépend ce que tu appelles militer sur Internet. Si militer sur Internet, ça consiste à insulter des gens sur Twitter toute la journée, euh, effectivement, c'est contreproductif. et je pense qu'il faut que les gens arrêtent de le faire et surtout, il faut que les partis apprennent à, à dire à leurs militants d'arrêter de déconner. Euh, mais si militer sur Internet, c'est participer à des discussions de manière ouverte, intelligente et. Très bien d'une manière générale oui euh, les campagnes de spam les campagnes de harcèlement les campagnes de de floude etc euh, non c'est pas une bonne c'est pas un bon militantisme sur internet ça je, ça, je déconseille vivement Militer sur Internet, je trouve que c'est un bon moyen de construire son argumentaire comme on passe souvent par l'écrit. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça a cet avantage-là. Pour autant, euh... ça a quand même ses limites. Hein. Le, le... Les discussions sur des forums, sur des chats et, et, sur, des, et, sur, des, et sur Twitter. Euh... Je connais quand même pas mal de gens qui, qui, qui font un peu les matadors sur Twitter, à prendre tout le monde de haut et à, et à monter sur ses grands chevaux en permanence. Quand tu les rencontres dans la vraie vie, tu te rends compte, ah oui, non mais en fait, t'es d'accord. Oui, fa... là aussi, c'est facile sur Twitter de montrer les muscles et de... <laughs> et de se donner des airs de... Ouais, mais en fait, bon, ok. Je te confie pas une délégation, même adjoint au maire, euh... <laughs> chargé du cimetière, je te la confie pas parce que visiblement, t'as l'air nul. Bonjour entreprise privée, vous êtes pourri, fermez boutique cordialement ONG, je reçois ça tout le temps. <laughs> non, c'est sûr, ça aussi, ça peut... Non seulement ça peut convaincre les, <laughs> les entreprises de continuer, mais voire même ça peut renforcer l'adhésion des... des équipes de l'entreprise au projet de l'entreprise. Tu penses quoi des raids Twitch de Mélenchon sur des streamers Il continue à le faire ça, je crois qu'il avait fait une seule fois chez Ponce. Euh... Je pense qu'il ne faut pas faire ça. Ou alors il faut, alors il faut se mettre d'accord avec le streamer avant pour lui demander s'il est OK. Il a re-raid Ponce hier. J'en ai pas parlé directement avec Ponce. Est-ce qu'on en a parlé? Ou est-ce qu'on était déjà bourré Mais je pense que Ponce m'en voudra pas si je dis qu'il que voilà, il vaut, il vaut mieux éviter de faire ça. On savait contacter le parti pour dire qu'il voulait plus que ça arrive, ils l'ont refait quand même. Ah ouais Non, mais c'est gênant. Enfin, je, je voilà. enfin, moi, tu vois, ty voilà, typiquement le genre de truc où je ne veux pas que ça arrive parce que euh, pff, ça, c'est un. Ouais, voilà, un peu la, la politique qui débarque avec des gros sabots dans, sur le stream d'une personne dont on sait que, comme beaucoup d'influenceurs, euh, bah, ils sont pas très tranquilles avec la question de, avec la notion de politique, que ça les gêne un petit peu. Faut pas en vouloir aux gens d'être un peu gênés par le sujet. Moi, s'il si me raide, moi je m'en fous parce que, parce, parce que moi c'est mon sujet, je suis habitué, je saurais le prendre avec humour et c'est cool et OZEF, tu vois. Euh... Mais euh, ouais, non, non, faut pas faire ça, faut les laisser tranquilles. Ouais. Donc soit soit, ouais. soit, soit tu sais par avance que le, que le streamer va bien le prendre, soit tu soit tu le fais pas. Les militants reconquêtes, on peut peut-être desservi, peut desservi leurs candidats à la fin chez les jeunes avec leur omniprésence. Bah, moi, les, les... Ouais, les militants reconquêtes, ce que j'en vois le plus euh, sur Internet, c'est quand même des campagnes de spam, de floude, de riposte. Et moi, euh, je suis désolé, mais... Euh... Enfin, je sais pas, c'est une logique très 4 euh, dans, dans la méthodologie. l'air de rien, Jean Massier qui dit ⁇ Rédez-moi plutôt, bordel ⁇ Ah non, 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 en vrai, non, mais attends, je, je reviens sur ce que j'ai dit. Si les partis politiques pouvaient éviter de me raider, je préférerais. Hein. Aucune envie d'avoir des militants, ça va, c'est bon. J'ai toujours dit que moi, je voulais m'adresser à ceux qui s'en foutent un peu de la politique, C'est pas pour avoir que des militants sur la tronche. Donc voilà, enfin tout ça pour dire que oui, le, le militantisme en ligne de reconquête euh, ressemble beaucoup plus à du clapping euh, dans des stades, qui, qui, qui est le niveau zéro de, de l'engagement, c'est juste un effet de masse, un effet de foule. Et qui en fait... Euh, je ne suis pas sûr de l'utilité du truc, hein. politiquement je veux dire. Les militants Reconquête et l'équipe de campagne me font surtout penser à un fan-club, encore plus que LFI. Oui, mais c'est parce que oui, parce que pour le coup, Reconquête, c'est Eric Zemmour. Quand tu me diras la France Insoumise, c'est Jean-Luc. Mais... Mais c'est pas la même histoire, c'est pas le même rapport au programme, au projet, etc. Il y, a quand même, il y a quand même une dynamique d'ordre collectif dans la construction politique de la France Insoumise que tu retrouves moins chez Reconquête, qui est tout à fait tournée autour d'Éric Zemmour. Donc, bon, euh, de la même manière que les militants LREM en 2017, c'était un fan club de Jean-Luc, d'Emmanuel. De, oh la fatigue donc euh, Donc, ouais. Tous les moyens sont bons. En face, il y a un mastodonte d'électeurs. Ouais, mais justement, le, 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 c'est en ça que je vous dis que je ne suis pas persuadé de de l'efficacité du militantisme qui consiste à simplement spammer. Je je sais pas. LFI, c'est quand même un peu plus que Jean-Luc Mélenchon. J'aurais plutôt comparé à LREM, qui est vraiment juste Emmanuel Macron et les autres. Tu enlèves le patron et le parti s'écroule. Avec LFI, il y a quand même tendance à croire que même sans Jean-Luc, on tiendra. On verra. <laughs> réponse dans deux semaines. Enfin, début de la réponse. Ça, ça va durer des années. Tous les moyens sont bons. Non, si ça saoule les gens que tu es censé convaincre. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui je suis d'accord avec toi. Oui, oui, non, je suis d'accord avec toi. Vous euh... bah voyez, regardez quand je parlais de campagne de spam, là, il y a, a, a quelqu'un qui vient, son premier message sur le message, sur le chat, c'est Vive le Z. Typiquement, c'est ce, ce type de militantisme-là qui consiste à passer sur plein de chats, partout sur Twitch, etc., en disant Vive le Z, euh, que ce soit Vive le Z ou autre chose, hein, ça m'est déjà arrivé de recevoir des JLM 2022, etc., c'est euh, typiquement le genre de pratique de, de militantisme qui, euh, qui dégoûte. Les gens et qui fait que ça rame contre ton, contre ton candidat. Parce que là, le Ristik TV qui vient d'écrire ville z je ne sais pas si tu avais l'intention en écrivant ça dans mon chat de convaincre 2129 personnes de voter pour Eric Pardonne-moi de, de, de t'annoncer que tu, non seulement tu n'en auras convaincu aucun, mais même ceux qui étaient moyennement chauds, tu les as euh, convaincus dans leur, dans leur rejet. Tu vois Donc c'est donc ça que j'appelle les limites du militantisme en ligne. Je suis convaincu. C'est vrai que c'est très fortune comme façon de faire. Mais oui Mais oui, c'est très 4chan. Enfin, C'est c'est une pratique de militantisme et d'engagement que tu as sur Internet, qui est ancienne, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a son avantage grâce à son effet masse et, et, sa, et sa plasticité, mais qui a aussi son inconvénient de, de, de la totale euh, inanité politique du truc. C'est juste pour faire de la présence partout tout le temps, c'est tellement relou. Ouais, mais alors, après on peut en discuter. Moi, je, je c'est exactement comme les personnes qui collent des affiches euh, sauvages, genre sur les piliers euh, du périphérique, au bord de National, ou sur les ponts au-dessus des routes, etc. Euh, j'ai jamais considéré, enfin, peut-être que j'ai peut de la distance critique, etc., mais j'ai jamais considéré que c'était utile ce truc-là. Déjà que les affiches électorales, bon, ça peut avoir son utilité le jour du vote, etc. Mais j'ai trouvé que c'était dingue les campagnes de collage, etc. Mais alors les trucs sauvages entre deux élections, je sais pas. Ce serait peut-être mieux si le militantisme était interdit. <laughs> alors, vous voulez pas arrêter d'interdire les trucs que vous aimez pas, de vouloir interdire les trucs que vous aimez pas C'est instaurer une présence dans les esprits. Ouais, mais je suis même pas sûr que ce soit utile ou efficace. Ou... Ça témoigne d'une force militante. Je... Peut-être, non, peut-être, peut-être. C'est pour ça que je veux bien qu'on en discute. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est. voire même que ça fait un peu minable. C'est peut-être utile pour les petits candidats pour rappeler leur existence. Sans doute. Ouais, sans doute, sans doute. Les affiches de, de François Asselineau pendant longtemps, les affiches de Nicolas Miguet, etc. Je sais, possible. Euh... Je te raide, Oui, oui, si tu veux, si tu veux. Enfin, en même temps, je vais, je vais pas rester très longtemps, mais. Euh... Mais hésite pas. Ah oui, t'étais en live, on est lundi. Oui, excuse-moi. <coughs> Vive euh... Jean Massier, ça fonctionne. Ah non non non. Alors putain, alors, ça s'il y a bien un truc que j'ai toujours refusé absolument et par dessus tout, c'est l'idée un jour de devenir un influenceur à communauté. C'est-à-dire euh, l'idée qu'il y ait des gens qui, euh, je sais pas, prennent ma défense ou à euh, y faire chier des gens, et ah putain, je, je, je supporte pas l'idée. Après, il y a des communes que je trouve très cool, euh, la commune de Ponce, puisqu'on parlait de Ponce tout à l'heure, c'est plutôt bonne ambiance, les fleurs, c'est quand même. Euh... <laughs> le règne de la bienveillance dans tout ce qu'elle a de, de sympa de, de, de cool, de bonne ambiance euh, non non il peut me raider du hein, s'il veut euh... mais donc voilà quoi moi je prends ta défense dans la rue ah non mais ne me défendez pas, déjà je défends rien alors qu'est-ce que vous voulez me défendre <laughs> ça fait quand même hipster bobo ELV non, non, mais enfin, justement, et j'en reviens à ce que je vous disais au début de ce stream, c'est que moi, depuis que je me suis lancé sur Internet il y a sept ans maintenant, je me suis toujours refusé à avoir un discours prescriptif vis-à-vis -vis de vous. C'est-à-dire de vous dire quoi faire, quoi penser. Est-ce qu'il faut voter ou pas Je n'ai pas de réponse à cette question. Je vous laisse faire ce que vous voulez. Je veux bien qu'on en discute parce que ça m'intéresse, mais je ne vais pas vous donner d'incitation à voter. D'ailleurs, j'ai reçu des propositions de partenariat en faveur de campagnes pour le vote. On m'a proposé ça et j'ai toujours dit non. Je suis désolé. Je, je n'incite pas les gens à voter. Je, je m'y refuse. Il y a beaucoup d'abstentionnistes chez les jeunes, et je refuse de choisir un camp entre le vote et l'abstention en disant il faut voter, c'est être un bon citoyen que de voter, et c'est moins bien de ne pas voter, etc. Je comprends que d'autres le fassent, et j'ai pas de problème avec ça. Mais, euh, mais voilà quoi. Salut les 2723 viewers du Jules, bienvenue à vous. On est en train de on est en train de de continuer la discussion de ce stream. On parlait du militantisme en ligne et de ses limites. Euh, on a lu quelques articles avant ça. On est en train de parler du premier tour. Et du coup, je disais que. Euh, ouais, je, je disais que justement, je me suis toujours refusé à avoir un discours prescriptif en disant aux gens euh, s'il fallait voter ou pas. Euh, je me suis toujours refusé à. Évidemment, alors Jules, il va encore plus loin que ça, parce que Jules, il appelle à voter pour Jean-Luc Mélenchon, ce qui, est, ce qui est encore une étape supplémentaire, qui, à mon avis, a, a ses difficultés aussi. Moi, j'ai la chance, du coup, de ne pas du tout être dans, <laughs> de pas avoir ce problème-là. Mais. Euh, mais donc du coup, ouais, on m'a proposé des partenariats de campagne en faveur du vote, etc. Et j'ai toujours dit, non, je suis désolé, je, 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 je ne veux pas inciter ma, ma commu à voter. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre, vous êtes grand, euh, C'est pas à moi de vous dire de voter. Il y a déjà des discours qui vous disent de voter par ailleurs, etc. C'est un débat intéressant, les mécanismes de l'abstention, etc. Et je me refuse d'avoir un discours prescriptif. Alors ceci étant, il y a quand même des limites euh, au, refus de, au refus de la prescription. Euh, comme, par exemple, euh, comme par exemple les, 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 les limites de l'acceptable. c'est pas parce que je refuse d'avoir un discours prescriptif que tout est permis. C'est pour ça que je refuse euh, d'héberger des discours de l'extrême droite sur ma chaîne, autre que dans le cadre de commentaires en direct, ça peut arriver, autre dans le, que dans le cadre d'interviews très bornés et très spécifiques, dans le cadre de partenariats particuliers et tout. Euh, c'est une limite euh, à l'acceptable. Y a-t-il un backseat jeudi Ouais, 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 il y a un backseat jeudi. il euh, y a un backseat jeudi. Ouais, ouais, complètement. Pourquoi ne pas permettre automatiquement à toutes les personnes en âge de voter d'avoir une carte d'électeur Bah, si, si, moi je suis pour. Hein. Hum. Euh... Tu sais s'il y aura des soirées présidentielles sur Twitch. Oui, il y aura une soirée présidentielle sur ma chaîne euh, dimanche. J'ai obtenu les droits de diffusion de BFM TV à 20h pile pour pouvoir vous afficher les. Pour pouvoir vous afficher les visages des deux qualifiés au second tour. Et ensuite, j'aurai encore le droit de diffuser euh, BFM TV lors des prises de parole des candidats. Euh, après, vous savez, dans la soirée électorale, machin. Mais ça va être une soirée tranquille à la maison. Ça va être une soirée tranquille à la maison, on va commenter ensemble. Quels invités jeudi bah, Suivez Backsit sur les réseaux sociaux. Vous aurez les noms des invités en temps et en heure. Euh... Avec la belle animation. Ouais, ouais, avec la musique et tout. Bon, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont prévu comme habillage BFM TV, je m'en fous. Et si on mettait la carte des lecteurs dans la carte vitale? Euh, ça nécessiterait de croiser les registres des bureaux de vote avec les registres de la sécurité sociale et de l'URSSAF, je suis pas sûr que vous ayez envie de ça. Merci le syndicat. Euh... On ramène l'apéro. Ouais, grave. C'est jeudi le backseat en public. Non, le backseat en public, c'est pas jeudi. Le backseat en public, c'est le 21 avril prochain. Je vous invite à venir sur euh, le Utip de l'émission. Nous allons faire un backseat en public dans un, dans un bar. Un bar à la Gare du Nord à Paris. Il faut cliquer ici. Là, c'est à 6 euros l'entrée. 6 euros qui vous donne droit à une boisson. C'est un ticket boisson. Hein, c'est pas juste payer sa place. C'est un ticket boisson. Donc, euh, c'est donc moins cher que la bière, que la pinte de bière en API roueur. Profitez-en. Et en plus, c'est obligatoire pour rentrer, donc prenez-en une. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est le jeudi 21, Backseat en public. Il y aura... Ce sera diffusé sur Twitch. Hein. Il y aura, on, va, on va déménager le plateau de Backseat pour le mettre, euh, pour le mettre à endroit-là. Et ce sera donc au Bellucci's. Euh, le Bellucci's, qui est un bar à Paris, un très grand bar, dans lequel vous allez pouvoir vous mettre yimbe. Il y aura le plateau, il y aura plein de monde, ça va être trop cool. Vous n'avez pas peur, peur qu'il y ait trop de monde Bah non, on a limité le nombre de tickets pour pas qu'il y ait trop de monde. Donc profitez-en, parce qu'après ça va partir. Donc voilà, ça va être trop cool. Le Belouchis à Paris. Est-ce que tu es stressé en tant que citoyen par rapport à dimanche Pas du tout. Pas du tout. Il reste combien de places Je sais pas, j'ai pas le décompte. Faut que je demande à. Faut que je demande à Alexandre. Attends, Alexandre qui me répond. Ah, ok. Combien de places vendues pour le 21 Je sais pas s'il est connecté, Alexandre. Bon, faut qu'il me dise. Merci, la petite sardine, pour ton resub je crois qu'il n'y a plus de place alors normalement c'est un bug hein. normalement il reste des places il y a un bug n'hésitez pas à rafraîchir la place la, la page pardon à réessayer mais normalement il reste des places hein. c'est pas censé être sold out encore hein. Alex égale Ponf non non un autre Alex Almo en l'occurrence euh... pourquoi t'es pas stressé parce que c'est pas ma première présidentielle que j'en ai vu d'autres par contre, j'ai hâte qu'on soit à l'après présidentielle. Que l'actualité politique va redevenir intéressante <laughs> après le second tour de la présidentielle, quelle que soit la personne qui gagne. Tu feras un petit débrief du premier tour dimanche soir. Ah oui oui oui, non non, mais je vais faire une soirée électorale, une soirée électorale entière. Je vais faire une soirée électorale entière, on va analyser les résultats. En plus, c'est rigolo parce que j'aurai interdiction par la loi de vous parler des candidats avant 20h. Donc, euh, je vais faire un stream chelou où on va euh, parler de politique. Ah, c un, en vrai, ça va être marrant, parce que je vais, <laughs> je vais devoir me prêter à l'exercice de parler de politique sans parler des candidats. En vrai, on a plein de trucs à se dire, ça va Même sur Twitch. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, oui même sur Twitch, sur Twitter, c'est interdit pour tout le monde, c'est pas, pas que la télévision et la radio. Je crains, les, je plains les modos qui devront gérer les annonces en avance sur le chat. Oh bah il va y avoir du bandef à tour de bras, hein, ça c'est sûr que je te dise. Euh... C'est récent sur Twitch. Alors ça n'a rien à voir avec Twitch ou autre chose, c'est que cette loi, la période de réserve, ça s'applique à tout le monde. Tous les médias, quels qu'ils soient, quelle que soit leur méthode, leur plateforme, etc. Les règles d'équité et d'égalité de temps de parole, ça ne s'applique qu'à la télévision et la radio. Les règles de la période de réserve, ça s'applique aux candidats, à leurs équipes, aux militants, euh, aux élus aux, et à tous les médias, sans exception. Il est strictement interdit de distribuer un tract le samedi euh, la veille de l'élection. Il est strictement interdit de coller une affiche. Il est strictement interdit de mettre en ligne une, une vidéo sur YouTube, même de débrief ou d'analyse de l'actualité euh, présidentielle en citant et en donnant la parole aux candidats. Et ça, c'est valable partout. Pour tout le monde qu'est ce qui se passe si quelqu'un en parle quand même bah, ça tombe sous le coup de la loi c'est quoi les, bah, les conséquences c'est que ça tombe sous le coup de la loi tu peux tu, tu en frein tu enfreins la loi et ça peut et ça peut finir au tribunal c'est seulement en france oui c'est seulement en france les médias belges et les médias suisses évidemment comme chaque année ils vont s'en donner à cœur joie <laughs> La rtbf va encore avoir un pic de connexion à 18 heures Moi j'ai le droit de dire voter machin sur Twitter, théoriquement tu n'as pas le droit de le faire. Non mais encore une fois si vous voulez me faire dire que vous risquez pas grand-chose parce que vous allez pas vous faire attraper par la police évidemment. Enfin c'est comme les gens qui disent mais ça fait quoi si je roule à plus de 130 Qu'est-ce qu'ils vont m'empêcher Bah ils vont pas t'empêcher, c'est juste que tu as un risque de te faire arrêter. Enfin tu vois c'est <laughs> Vous vous doutez bien que ma chaîne est beaucoup plus scrutée que vos comptes Twitter. Parce que même le journal Le Monde s'est mis à calculer le temps de parole sur ma chaîne, si vous que je vous dise. Donc évidemment que je suis scruté, recru, regardé de près, qu'il y a tout un tas de gens qui attendent qu'une seule occasion pour me tomber sur la gueule. Je le sais très bien. Donc je vais pas jouer au con, je vais respecter la loi. Et je vais, non, je vais pas jouer à Radio Londres non plus. Faut prévenir Usul parce qu'il veut faire un stream sur Mélenchon samedi. Bah prévenez-le, c'est interdit. Voilà, pas de stream sur Mélenchon, c'est pas possible. Flatter d'être scruté Non, ça me saoule. C'est nouveau comme loi Non, ça a toujours existé, la période de réserve, euh, de depuis aussi longtemps que j'en je souvienne, oui. en 2002, en 1995. Euh, non, non, période de réserve. Euh. Mm -hmm. Vu que Twitch est une boîte américaine, ça compte quand même. Oui, oui non, ça n'a rien à voir. Je suis responsable du contenu que j'aimais, que ce soit sur Twitch ou ailleurs. Euh, ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas m'en sortir en disant ouais, mais c'est une plateforme américaine. Essayez jamais de prendre les juges pour des cons. Règle numéro un. <laughs> je ne sais pas si un jour vous serez présenté à un juge, je ne vous le souhaite pas, mais si un jour vous êtes présenté à un juge, n'essayez pas de le prendre de haut ni de le prendre pour un con. de camp à camp, à la réserve, c'est de samedi 0 heure, donc, donc euh, vendredi minuit, jusqu'à dimanche 20h. C'est pas une règle qui s'applique qu'aux médias, mais je suis un média. Que je le veuille ou non, que ça me fasse plaisir ou non, je suis un média. Les médias, c'est moi. <laughs> merci Pistocroute pour ton prime, merci beaucoup. Si tu streams depuis l'étranger, ben ça tombe pas sous le coup de la loi puisque tu es à l'étranger. Après, si tu es de nationalité française, tu peux tomber sous le coup de la loi pénale, même à l'étranger. Je trouve trop mignon à essayer de trouver des loopholes dans la loi. Mmh. <laughs> Merci, Ligérard 91, pour ton prime. Non, non, je, vous doutez vous bien que non. Il y a des jurisprudences, il y a des avocats qui ont travaillé sur le sujet. J'utilise un VPN. <laughs> vous êtes con. Merci, gendarmerie. Pas mal le pseudo. C'est vraiment sold out le 21. Mais non, c'est pas sold out. Pourquoi ce serait sold out Peut-être que c'est sold out. Hein. Peut-être que l'événement est victime de son succès. L'RTBF n'est pas contrainte parce qu'elle est diffusée en France. Est-ce que vous savez, chers amis, est-ce que vous savez pourquoi, en France, euh, parmi les plus grandes stations de radio, encore aujourd'hui, elles viennent toutes de l'étranger. Europe 1, Europe est une euh, radio qui, de mémoire, émettait depuis le Luxembourg, je ne vais pas dire de bêtises. Euh, RTL, ça veut dire Radio Télé-Luxembourg. RMC, ça veut dire Radio Monte Carlo. Euh, tout ça, tout ça, tout ça. Et eh bien la raison à ça, euh, en radio, on appelait ça les radios périphériques. En fait c'était des radios qui n'émettaient pas, qui avaient des antennes d'émissions qui n'étaient pas sur le territoire euh, français, qui ne tombaient donc pas sous le coup de la loi, qui avant la libéralisation des radios libres à partir des années 80, euh, étaient contraintes de respecter les carcans de l'ORTF, de toutes ces conneries, etc. Euh, ou des limitations strictes d'émissions sur les chaînes, etc. Euh, c'est lié à ça. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, RTL, RMC, etc., tu dis mais c'est quand même trop bizarre, ces trucs-là ils viennent de l'étranger, machin. Donc, c'était notamment en mai 68, par exemple. En mai 1968, c'était les journalistes d'Europe, de RTL, etc., qui couvraient les événements en France et qui avaient une liberté éditoriale que n'avaient pas les journalistes français. Il y en a une d'Andorre, je crois que c'est Sud Radio qui vient en partie d'Andorre, mais qui a très longtemps été une radio locale, Sud Radio, avant de devenir une radio nationale il y a 5 ans. Donc, tout ça pour vous dire que euh, le fait de se placer à l'étranger pour ne pas respecter les lois françaises, c'est vieux comme le monde. Et ça ne marche pas toujours. Regardez Mega Upload, Kim.com qui était parti s'installer euh, 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 en Nouvelle-Zélande. Bah il s'est quand même fait rattraper par le FBI. Ou la CIA, je ne sais plus. On me dit dans l'oreillette qu'il y a 430 places qui ont été vendues pour le 21 et qu'il y en a 600 en vente. Donc il n'en reste que 170. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, 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 dépêchez-vous. Va streamer en Belgique pour le samedi. Mais arrêtez d'être débile. <laughs> ah putain. Um, ambiance boîte de sardines au bar. Mais non, c'est un bar... Attends, je, je crois qu'au qu Bellucci, il y a 1200 places au total disponibles. Donc on, nous, on limite à 600, ça va Le chat te pousse au vice. Il bah, y en a qui essayent en tout cas. Euh... Donc, euh... donc voilà. Donc Du coup, cette loi s'applique à moi. Et donc tout ça pour vous dire que samedi et dimanche, je ferai des streams qui vont être assez rigolos parce que du coup, bah, je vais... on va parler de politique, mais j'aurai pas le droit de parler des candidats. Nommément, j'aurai évidemment pas le droit de diffuser quelques extraits de quoi que ce soit où on les entend parler. Un... J'ai pris deux fois le même nom pour les deux billets. Je sais pas. Ouais, vo vois vo 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 ça avec le support. Envoie un mail à Altab. Tu peux parler des programmes Non. Tu peux parler des parties Non. Hum... Non, non. Bah, je vais faire comme. Euh... <laughs> On va faire comme à la télé. De hein. toute façon, la télé, c'est l'avenir de Twitch. Hein, je vous rappelle. Twitch c'est de l'amateurisme. La télévision c'est professionnel. C'est quand même un standard qualité la télé, je vous rappelle. Donc euh, c'est normal d'être dans le mimétisme de la télé, parce que c'est un peu nos grands frères. Pardon. Euh, non mais du coup on va faire comme à la télé, c'est-à-dire qu'on va, on va, on va parler du taux d'abstention. On va analyser le taux d'abstention en boucle. <laughs> euh... Voilà, on a le droit de parler du taux d'abstention, on a le droit de montrer des. Je crois que les télévisions ont le droit de montrer des images des candidats qui vont voter. Vous savez la fameuse image à la con qu'on voit avec le petit bulletin de vote euh, des candidats qui vont voter dans leur, dans leur bureau de vote à côté de chez eux là. Euh, Donc ils ont le droit de filmer ça. Par contre, ils n'ont pas le droit de lui donner la parole. Ils n'ont pas le droit de lui tendre un micro. Il n'y a pas de point presse, c'est interdit. Euh, voilà. Tu peux parler des élections précédentes euh, Ouais, je crois. Euh, abstention à 17h en hausse par rapport à 2017, oui, 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 oui. Ouais. Est-ce qu'on peut trouver quelque part quelles communes font encore le vote électronique euh, Les machines à voter De mémoire, il y a 60 communes en France qui euh, font ça. Je sais pas où tu peux trouver la liste, j'en sais rien. Go faire un stream cuisine. Le, le liste de présidents des présidents de la troisième république Dans le pire des cas <laughs> Est-ce que tu peux streamer le Minecraft LREM Mais comme tu es abonné à ma chaîne Youtube Tu as vu que je l'avais déjà fait Meilleur moment pour la constitution en ASMR mmh, J'avoue J'avoue On pourrait faire ça samedi Je pourrais faire ça samedi. Attends, je vais me le noter en option dans mon agenda. Euh, merci, Glomivel. Pour ton Prime, merci beaucoup. N'hésitez pas à utiliser Amazon Prime pour vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle que c'est Jeff Bezos qui régale. Hein. Donc euh, faites raquer Jeff Bezos pour me soutenir en utilisant Twitch Prime. Euh, c'est gratuit si vous payez. T'as pas d'autre challenge, du The Event à régler que tu pourrais faire samedi Non, l'autre challenge, je le ferai entre les deux tours c'est le commentaire en différé du débat Mitterrand-Chirac de 1988. On part vraiment sur la constitution en ASMR samedi Bah ouais. <laughs> Lumassier, mais plus tard. La fête de Lumassier, je ne pourrais pas l'organiser cet été, je hein. Je pense pas. Ça a été trop compliqué avec le Covid. L'événementiel, c'est le bordel. Les résats de salle, c'est un enfer. Et puis j'ai pas le pas le temps et j'ai pas l'infrastructure pour le faire dès cette année. Donc la fête de l'humacier, je pense qu'il va, euh, va falloir repousser ça plus tard. C'est pas gratuit, c'est sérieux. Bah si c'est gratuit si tu payes. C'est ça qui est vachement bien fait. Euh... Monsieur le Premier ministre, ouais. Merci Taquen Le Forestier pour ton sub, merci beaucoup. Courage, du moment qu'on l'a, repose-toi après les législatives. Bah, je vais avoir du mal à me reposer après les... Ouais, si, remarque peut-être. Ah mais attends, parce que j'ai accepté un truc en juin. Euh... raconte c'est gratuit si tu payes non, je suis désolé je suis en fait je suis un peu en train de te prendre pour un con excuse moi c'est un peu... une blague en fait c'est gratuit si vous payez C'est une ironie comme on dit désolé hein, je... je peux pas t'afficher <laughs> pardon euh... merci vangélis pour ton prime merci beaucoup de faire raquer amazon en les en les payant euh... merci Dispensé, pour ton prime aussi merci beaucoup le droit de parler des candidats qui n'ont pas réuni les 500 parrainages, oui. Merci Pistocroute. <laughs> qui offre un sub, merci beaucoup. Alors attendez. Hop, si vous avez des problèmes avec le Utip... Ouais, je peux vous mettre le lien euh, WizEvent dans le chat, je vous mets le lien. Si vous, arrivez, si, si vous voyez que ça galère sur le Utip pour prendre votre place pour le 21 prochain... Euh vous pouvez prendre votre place. Enfin, encore une fois, c'est pas une place, hein, c'est un, un ticket boisson. Il faudrait qu'on fasse un bot là-dessus. Bonsoir, et on est d'accord que la procuration en ligne, une fois validée, il n'y a plus rien à faire. Oui, ouais, on est d'accord. Tobira a toujours pas dit pour qui elle vote. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tobira a toujours pas dit pour qui elle vote. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors qu'elle avait promis qu'elle le dirait. Merci, Golinounours, pour ton Prime. Est-ce que tu feras des backseats dans d'autres villes euh, J'ai pas les moyens frère, hein. je suis désolé. Déjà que là ça nous, là, ça nous coûte euh, un paquet de pognon euh, pour déplacer tout un plateau dans un bar. Merci Titounet pour ton sub. Est-ce qu'on peut venir même si on n'a pas pris de ticket Non, il faut prendre un ticket pour venir. Euh, sinon tu pourras pas rentrer. C'est quoi la procuration à vote à distance Non, la procuration, c'est un vote délégué. Donc tu demandes à quelqu'un de ton entourage, à un proche, de voter euh, en ton nom, en plus de son vote à lui. C'est quoi cette expression frère, c'est naze bah, T'inquiète, frérot, détends-toi, ça va bien se passer. Est-ce qu'on peut faire procu encore euh, C'est quoi la date limite pour les procu Je sais plus. Pour la procuration, il faut passer en commissariat. Ouais, une, une fois que tu as fait la démarche en ligne, tu dois aller au commissariat. Ah oui, non, pardon, excuse-moi, j'ai peut-être répondu un peu vite tout à l'heure. Non, non, si tu as fait la démarche en ligne, maintenant il faut que tu ailles au commissariat. Alors attendez, c'est marrant parce que j'ai un milliard de réponses différentes. À la question quand est-ce que c'est fini les procurations, il y en a un qui dit le 4, il y en a un qui dit le 4 ou le 5, il y en a un qui dit samedi, il y en a un qui dit... La veille, il y en a un qui dit le 9 avril, il y en a un qui dit une semaine avant. Il faut venir à quelle heure au Belouchis euh, Bah, C'est écrit à partir de 17h. Tu peux le faire en ligne pour ta procu, c'est bon. Alors, il faut que tu fasses une pré-démarche en ligne, une pr un pré-enregistrement, et qu'ensuite tu ailles physiquement euh, au commissariat. Alors ça dépend où tu habites, hein. ça peut être en commissariat, ça peut être en préfecture, ça peut être en mairie ou en gendarmerie, je ne sais pas où tu habites. au consulat effectivement Grosso modo la veille il faut juste pas y aller à 23h Oui effectivement les procurations la veille pour le lendemain c'est pas cool essayez de essayer d'anticiper un peu Tu penses quoi de JLM 2022 de mettre en place une plateforme pour voter par procuration pour les gens ne pouvant pas voter pour JLM Tous les partis politiques font ça. J'ai aucun problème avec ça. C'est très bien, je m'en fous. Tous les partis politiques font ça. Si vous ne connaissez personne de votre entourage qui vote dans le même bureau de vote que vous et que vous ne pourrez pas être là pour voter au premier tour, n'hésitez pas à faire une procuration à un militant du parti politique pour qui vous voulez voter. Je rigole pas, n'hésitez hein. enfin, pas à rentrer en contact avec les personnes au niveau local de votre parti, je ne sais pas quel est votre parti, je m'en fous complètement, pour lui dire, bonjour, je ne vous connais pas, mais j'ai envie de voter pour votre candidat, je ne pourrais pas être là samedi, est-ce que, est que je peux donner ma procuration à quelqu'un du parti, n'importe qui, un militant, euh, etc. Tout le monde fait ça, c'est normal. N'hésitez hein. pas Hésitez pas à demander au parti, hein. c'est normal, ça fait partie du truc, ils seront contents. Euh. Bon, au passage, ils vous proposeront d'adhérer, c'est de bonne guerre, vous pouvez leur dire, non, non, pas envie, euh, faites ce que vous voulez. Comment rentrer en contact avec un militant Bon, tu vas sur internet, tu trouveras très facilement le contact départemental de ton, de ton parti. Euh, ou sur Twitter, ou ton député, ou enfin non mais t'inquiète, tu vas en fouillant rapidement sur Google, tu vas trouver. Il n'y a plus besoin légalement que le mandataire soit dans le même bureau de vote. Ouais, bon après c'est un peu chiant de faire déplacer quelqu'un à l'autre bout de la ville rien que pour toi, mais bon, si un militant est prêt à le faire, il le fera. Le coup, vous pouvez être sûr que votre décision de vote sera respectée. Ah, bah oui, du coup. Merci, Alex J. Will, pour ton Prime. Merci beaucoup. Euh Donc, bon, euh, voilà quoi. Voilà, voilà. Euh... Tac, tac, tac. Je vais m'arrêter là les amis. Est-ce qu'on fait un raid euh, Hop là, pour ceux qui veulent aller passer la suite de la soirée sur le, le réditoire. Merci. Tatski, pardon. Merci beaucoup pour ton, pour ton sub. Est-ce qu'on fait un raid? Chez qui on fait un raid Bah tiens, chez Antoine. Allez, on va faire un raid chez Antoine. Have fun. Hop Red chez Antoine Daniel. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. C'était extrêmement cool ce stream. Je vous retrouve demain à 17h30 pour un stream où on va regarder les clips de campagne des candidats. Soyez là demain, ça va être cool. Merci à vous d'avoir été là. Amusez-vous bien dans la deuxième partie de la soirée chez Antoine Daniel qui participe au Reddit War. Amusez-vous bien. Merci, à demain. Des bisous. Ciao. Allez la France, bye.